La croix, ça va couiner ton truc. Là, je passe sur l'autre écran. Merde. Oh, perdu 4 abos. Eh ben. Pas grave. Bah, ah, les affaires reprennent, hein, pépère. Hop là, on cale en activité la limite. Qui t'appelle? Qui te parle? Ouais, à mon avis, c'est un vieux schnock. Allez, hop là, on est parti. Bonsoir YouTube, bonsoir les gens. Nous, on est reparti pour une petite aventure pour le soir, comme d'habitude. Toujours avec les mêmes. On va pas changer une équipe qui gagne, hein. Voilà. Ah, une vraie team de bras cassés. Donc toujours avec nos bottes de foin, hein, qu'on va aller vendre tranquillou, hein, voilà, parce que ça rapporte masse de thunes pour le, enfin masse de thunes non pas tellement, mais c'est vraiment très facile à faire, donc voilà, voilà quoi. On est tranquille. Oh là 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 là. Salut, jeune agriculteur, comment vas-tu? Bah, comment vas-tu? Comment allez-vous? Et voilà quoi. Hop, 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 t'inquiète, j'ai pas oublié, pépère. Hein, comment vas-tu, pépère? Ah bah oui, hein. Comment va ta petite famille? Merde. Hein? C'est ça qu'il faut demander. Voilà. Oh là là. Bon, toujours. Ah, bah comme d'habitude, hein, tu sais bien. Hein, le loulou, il te passera de bonsoir. Monsieur Démon devrait arriver dans un moment. Il va repasser, nous a dit ça tout à l'heure. Il n'y a pas de problème. Hein, tu as bien compris le truc. Hein, voilà, il n'y a pas de problème. Voilà, et moi, je suis toujours avec mon Fiat. Parce que tu sais quoi? Parce que le Fiat, ah, bah, c'est la base. Hein. Incassable, ce dôme. Incassable, que je te dis. Une bombe, une furie. Regarde l'intérieur. Comme en vrai. La climatiser à la portière, mon gars. Ouais, voilà. Et Loulou, bah, toujours partenaire de jeu. Et Monsieur Démon, bah, pareil, il vient quand il a le temps. C'est impeccable, quoi. Voilà, comme d'hab. Voilà. Monsieur Dimdim a pas eu le temps de faire les mises à jour, mais je pense que peut-être qu'il va venir aussi, enfin à voir. Bon, là, voilà. Tout à l'heure, ils faisaient le retroll tous les deux. Il y avait des trucs à mettre au point, donc ils font, hein. Pas plus compliqué. Et puis moi, ben, vu qu'il y a toujours des mises à jour sur ATS, ETS et compagnie qui sont jamais d'accord les uns des autres, ben, j'attends qu'ils aient fini tout ça, tout leur petit bordel, et après je recommencerai un petit peu du parking. J'irai voir les camions où ils en sont, voilà, et les modifications apportées. Voilà. Mais bon, pour l'instant, trop de mises à jour, c'est. Eh ben, impeccable, mec, impeccable. Et tu sais quoi, je vais dire un truc, jeune agriculteur, profite de tes 3 derniers jours pour faire des bonnes nuits. Pour faire des bonnes nuits. Après, c'est pas tout à fait pareil, hein. Le réveil. Tu vas voir, tu vas comprendre que. Bah, quand ça a faim, ça a vraiment faim. Quand ça a faim, ça couine. Hein? Et ça couine fort. T'inquiète, ça va te réveiller, même fatigué, que ça va te lever les yeux. Il n'y a pas de problème. Si, si nous, on y est passé, hein, on s'en est sorti, tu dois pouvoir. Il n'y a pas de problème. Surtout. Bah oui, il n'y a pas de problème. Mais non, t'inquiète, je rigole, t'es fou. Tu verras, ça sera tout seul. Mais le pire, c'est que ça va se faire tout seul. C'est des automatismes, mon gars. C'est que le pire, c'est que tu seras épuisé, mais tu te lèveras quand même. Tu verras, comme tout le monde. Ah, t'inquiète, il y en a d'autres qui sont passés avant toi. Et la preuve, hein, on est toujours là, hein, pour en témoigner. Maintenant, t'as qu'à voir, on dort tellement plus qu'on joue aux jeux vidéo jour et nuit.
Ah mon Dieu. Aux jeux vidéo, ça évite de prendre des amplis de dés. Ah, c'est pas que je dis des conneries, hein, parce que je connais qu'ils prennent quand même des amplis de dés en jouant aux jeux vidéo. Je suis pas plein pépère. Bon, allez, si on essaie de viser la bonne place, là. Hop là, on est bon, on est d'accord? Allez, hop là. Donc oui, là, il fait vraiment une très nuit et j'ai aucun feu de... J'ai pas de feu de travail sur le Fiat, c'est chiant. Mais honnêtement, il est tellement peu cher en entretien. Il est tellement peu cher, c'est vrai que... Ouais, c'est clair que c'est super agréable, quoi. Ce matin, j'ai fini, là. Ah bah, ma foi. Hey. Même moi pour te dire, on n'a pas fait de parc à la maison. La maison est un parc. Non, je rigole, mais non, c'est pas de parc. Voilà. Comme je dis, on parque des bestiaux, mais bon, parfois les enfants les surveillent. Enfin, après, oui, après, tout dépend si tu as des étages et tout. Ça, c'est clair. J'ai envie de te dire oui, normal. Mais bon, voilà quoi. Bon, ça va me saouler parce que là, je vois rien. Donc, on va poser ça. Attends. On va faire comme ça, vous allez voir. On va faire un petit truc tout simple. On va désactiver l'autoroute, modifier. Attends, on va faire U, on va faire B, B et B. Où c'est qu'il est? C'est U. Oh, c'est chiant quand tu vois que dalle, c'est hyper chiant. Voilà. Attends, ah, de l'autre côté. Alors, attends, voilà. C'est OQ. Et là, c'est sur le côté. On fait Y. C'est posé à côté, on est d'accord. On fait rapport décroché. Voilà. Mais bon. Ah ouais, bah oui. Non, mais c'est ce que je t'ai dit, tu vois. Moi, il n'y a pas de ça. Enfin, moi, c'est pas à la main, quoi. Voilà, on est d'accord. Voilà. C'est rangé, c'est dans un endroit où on ne peut pas aller, et voilà. Oui, normal, j'ai envie de te dire. Voilà, mais bon. Ouais, tu vas voir, tu vas ranger ta maison, enfin, tu vas arranger tes locaux pour pas être enquiquiné aussi, tu verras. Ouais, c'est une histoire d'organisation, et l'organisation, c'est hyper important. Ouais, après, tu vas protéger tes prises aussi, parce que on dit. Si ça ne sort pas les doigts ou si les doigts rentrent pas, tu te dis qu'un jour elle peut rentrer un crayon ou une merde quoi. Voilà, ça c'est tout bête, hein, c'est bête, mais bon, voilà. Et tout, c'est de penser avant que ça pique, quoi. Bon, allez, voilà. Et ben. Voilà. Bon, en fait, t'inquiète, on est tous passés par ces histoires un peu complexes, mais bon. Après, tu verras, tu choperas des automatismes comme tout le monde. En fait, au début, tu stresses un peu, puis après, ça vient tout seul. Voilà. Après, faut pas trop s'angoisser non plus. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de trucs que tu vas faire automatiquement. Tu sais, c'est pas. Manière, hein, personne n'est papa ou maman automatiquement, ça s'apprend. Hein. Après, tu t'adaptes et surtout. Bah, déjà, un, personne avec qui tu vis, et puis deux, tu t'adaptes surtout à. L'évolution de ton enfant, quoi, voilà. Et vu qu'ils sont pas tous. Ils sont pas tous pareils. Hein, mince. On fait pas tous les mêmes bébés, donc ils ont pas tous les mêmes besoins. C'est ça. Donc après, tu t'adaptes à ta progéniture, quoi. Voilà. Puis c'est surtout à ta façon de vivre. Ouais, il y a plein de choses, quoi. Mais bon, comme je dis. Surtout, ne t'angoisse pas, ça va bien se passer. Salut le simulateur de l'Oise, comment vas-tu? Comment vas-tu? Hop là, allez, 88%, je fais le dernier tas, on est bon. Eh bien, ça va super bien le simulateur de l'Oise, super bien, merci et toi? Voilà. Normalement, il n'y a plus rien au sol. Voilà. Et normalement, on rentre le dernier voyage là et on est bon. T'inquiète pas, va.
Très haut. Et en plus, je suis pas droit. C'est bien parce que quand on n'a pas de feu de travail, on y voit que dalle, que dalle, que dalle. Et quand je dis que dalle, franchement, c'est moche. Voilà. Ouais, mes collègues de bureau ils m'ont donné qu'une lampe frontale, c'est moche, hein. Aïe, aïe, aïe. Allô. Mes collègues de bureau ils m'ont donné qu'une lampe frontale, c'est moche, hein. Je m'en sors pas, hein. Allez, hop, qu'est-ce que t'en dis, pépère? On est bon ou on n'est pas bon? Bon, on va descendre avec les deux plateaux ou il en faut qu'un, Loulou? Ok, allez. Après, commence à regarder quoi qu'on peut faire. Allez, hop, t'inquiète. Ah, je t'ai dit, hein, moi. C'est vrai qu'il n'y a pas. Alors, autant ce tracteur est super agréable, il coûte que dalle, il est pratique, il est tout ce que tu veux parce que bah, autant tu peux bouger pas mal de trucs avec, autant sans feu de travail, c'est une misère, mais je fais une misère. Ah si, on a ça. Ah merde, j'avais oublié de le mettre alors. Bon, on va dire qu'il y avait un bug. Hein. Non, personne n'a rien vu, j'ai bossé comme. Oh là 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 là. C'est le drame. Tu sais quoi, il y avait un feu de travail. J'ai pas mis. Je me suis fait chier à bosser dans le noir, pépère. Ah mon dieu. Ah mon dieu. Bah ouais, je l'ai fait. Et alors? On l'a fait. Ouais. Ah mon dieu. Allez, un petit caf, hein. Y a rien de tel. Donc voilà. Alors, c'était ma vraiment. Tu vas accuser lui. J'ai accusé Loulou à tort, j'accuse jamais Loulou à tort. J'ai toujours raison quand j'accuse Loulou. Putain Loulou, basse merde! Mais t'es fou, j'accuserai jamais Loulou. Voilà. On rigole, hein, on se taquine, mais on aime bien se taquiner aussi. Voilà. Parce que je vais te dire honnêtement, hier on a attaqué un champ tous les deux, et on était déglingués tous les deux. Et quand je te dis déglingués, on était épuisés tous les deux. Et ben, on a fini le champ, on avait les yeux qui, je sais pas comment ils tenaient, on a fini à 3 h du matin. Et t'inquiète, hein, on parlait plus. Hein. Il y en avait un qui surveillait l'autre, je sais pas comment on a fait, mais on l'a fait. On l'a fait. Et d'ailleurs, respect, mec. Non, mais voilà, quoi. Tu vois, et en fait, alors, en gros, sur cette partie, on fait tellement des trucs qui nous intéressent, enfin, on fait tellement des petits trucs intéressants, hein, qui nous plaisent bien, ben, on voit pas passer le temps. Mais quand je te dis, on voit pas passer le temps, bah ouais, mais les réels, je connais un peu plus, tu vois, les histoires de camions, les histoires de marche arrière sans feu de recul, c'est un peu plus, ouais, je connais bien. Voilà, tu comprendras que j'ai conduit quelques camions et qui n'étaient pas tous équipés de feu de recul, mon ami, hein, ou de feu de travail aussi. Voilà, donc, ouais, et puis en général, les feux de recul sur un camion, comment te dire, c'est pas ce qui allume le plus, hein, voilà. J'ai envie de te dire, bah si sur les dernières semis, tu as des LED et ça allume plutôt bien, mais sur les anciennes semis, les feux de recul, honnêtement, ouais, c'était juste pour la déco, quoi. Bah, tu dois connaître ça si tu vois, tu as quelques outils, tu as compris, quoi. Le camion, il allume super bien. Le feu de travail qu'il y a derrière le camion allume super bien. Derrière la remorque, tu vois, bah, que dalle. Mais juste, tu vois que dalle. Et derrière les porteurs, en général, bah écoute, pas grand-chose. Mais bon, il y a les joies, les aléas du transport. Voilà. Mais bon, c'est pour ça qu'ils font des grands traits arrivés au quai. Ils font des grandes lignes blanches, ils font des. Ouais, voilà. C'est parce que moi, ça te carre les yeux. Grande ville. Je ne connais pas Drangueville, mais je regarderai. Ouais, je ne connais pas du tout. Voilà. Non, en fait, alors, je t'explique. Je connais du côté de Mâcon, du côté de Dijon, du côté de toi. Je ne suis pas monté, je suis pas arrivé jusqu'à Paris, moi. Enfin, en tout cas, mon boulot m'a pas donné cette opportunité-là. Puis, je n'ai surtout pas voulu aller par là-haut. Voilà, parce que c'est trop compliqué. Puis, j'ai envie de te dire que j'ai plus fait des transports côté sud, voilà. Ardèche, Montélimar, Marseille, tu vois, côté sud. Mais quand je te dis sud, côté grand sud. Voilà. Vraiment. Voilà. Tout ce qui est du côté. Bah déjà, tout ce qui est ce côté là-haut, je ne connais pas du tout. Voilà.
pas que je ne veux pas connaître, hein. J'ai pas eu l'opportunité encore d'y aller. Voilà. Tu sais, quand moi j'ai ma famille qui habite du côté vers Nice, on va dire. Ouais. On va dire du côté de Nice. Donc on est plus souvent du côté de Nice que du côté de Paris ou du côté là-haut. Car mon cousin a reçu une belle. Ah bah tu vois, encore mieux. Je croyais que c'était une ville. Ah bien, excuse. Ah, tu vois, je croyais dans Drangue. Ouais. Ah ouais. Drangueville, je croyais c'était une ville. Excuse-moi. Rigole pas, salopard. Putain, le mec, il peut se moquer. Attends, est-ce que j'ai ça dans mon. Non, attends, remorque. Je vais voir, peut-être que j'ai. Maintenant que tu me dis c'est une remorque. Moi, je croyais c'était une ville, un village, enfin un truc. J'ai pas, moi. Attends. Pas souvenir d'avoir creusé. Foiré, enfoiré de toi. Non, écoute, pourtant j'en ai pas mal hein, de remorques des Wilson. Allez. Ah non, mais je croyais que c'était une ville, moi. Tu me dis, ouais, voilà. Tu sais, je suis pas. Non, je connais pas. C'est pour ça que je t'ai parlé du côté de Nice, parce que ouais, j'ai ma mère qui habite par là-bas, enfin un peu plus près de l'Italie, mais. Ouais, voilà quoi. C'est pour ça que je t'ai parlé de ça, mais si j'avais su, j'aurais mieux fait de fermer ma gueule, hein, mon cher ami. Ouais, je le dis, j'aurais mieux fait de me taire, ouais. Non mais oh, il se moque. C'est moche de se moquer des anciens. Aïe, c'est trop moche. Aïe, je dirais tout. Aïe, il se moque. Ouais, voilà. Donc on va essayer de passer par le chemin en terre et on va rejoindre côté de la route. Voilà. Il s'est fait tout à l'heure, pas par là. J'avouerai, j'ai coupé. Ah ouais, d'accord. Et ça ressemble de quoi ces remorques, elles sont belles, elles sont comment? Mais précis, sérieux, le te foutre de moi, salopard. Putain, je te jure, hein, les mecs. Ah ça, pour vous foutre d'un mec qui connaît rien, c'est bien. Hein. N'empêche que, le respect que vous pourriez avoir, j'y connais rien, je joue à un jeu que je connais pas et je fais des efforts. On est d'accord? J'ai un Fiat parce que ça je connais, mon grand-père en avait un, on est d'accord? Je roule avec des plateaux autoroute parce que je sais charger au man. Ah d'accord, ok. Je sais charger au magnétoscopique quand même, hein, parce que j'ai fait l'effort. Les gars, c'est pas de moi. Merde. C'est pas humain. J'ai fait des Formule 17 quand même. Non mais. Non mais c'est marrant, moi je vous dis, hein, ce jeu-là, c'est juste pour la gestion des véhicules, de tout ça. Et entre nous seuls, si tu regardes, on a fait 1 025 000. Hein? Non mais, c'est une deux essieux. Hein, la team des essieux. Hein, tu la connais, hein, toi, la team des essieux. Hein. Bah, tu la connais pas encore, hein, parce qu'ils ne sont pas arrivés. Le jour où ils vont arriver, je te promets que tu vas te régaler, mon copain. Ah, parce qu'on va faire ces putains de voyages de fou. Hein, et bah, là, les gens, ils vont halluciner. Mais bon, c'est comme ça. On a des fadas. Moi, comme je dis, je joue avec des gens qui sont plus fous que moi. Ça, j'ai envie de te dire, ça craint réellement. Hop, vous savez quoi? Allez, on rejoint la route qui est en bas. Donc, on va prendre la bordure de champ, bien sûr. Hein. Voilà. C'était juste pour éviter le contournement et puis pour rejoindre le loup au plus vite. Loulou! Je suis plutôt de la team 3 essieux. Eh ben écoute, je conduis de la 2 essieux, je conduis de la 3 essieux et le loup dort. Ben, il vient de me répondre, il dort. Mais bon. Voilà. Il n'y a plus beaucoup de quoi. Vas-y, raconte. Pas de bêtises, hein, sinon je me moque. Dis-moi. Hein? Ah bon? Faut prendre. Ah ouais? Ah bah deux presses? Y a plus de presse? Y a quoi, tu m'as dit? Ouais, eh ben, prends-le. Tu regardes, tu me dis, et voilà quoi. Après, il reste des missions quand même, pépère, en récolte. Ouais. Oh, bah oui.
Ouais. Ah, mais tu fais comme tu veux, moi je m'en bats, hein. Je m'en fous. Hein. Bon, c'est vrai que là je me traîne un peu avec le tagazou, mais j'en ai rien à faire, tu sais bien, moi. Moi je kiffe ma vie en tracteur, hein. Salopard de jeune agriculteur, je t'aurais. Tu connais Drangville? Je connais pas, je croyais que c'était une ville, moi. Et moi je lui ai dit, ouais, je suis jamais allé, je connais pas, je connais le sud. Mais non, c'est une remorque. Foiré. Ah putain. Ah, c'est sûr que t'as dû bien rigoler quand même sur ce coup-là, hein. Ah ouais, attends. Hop là. Ah, mais t'en as fait quand même pas mal des petites boîtes, pépère. Bah oui. Ça y est, tu vas me faire engueuler encore aussi. Oh là 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 là. Foiré, va. Non, c'est bon, regarde. Attends. Attends, hop là, tu veux? Hop là. Allez, si tu veux. Hop là. Ah, ça t'a fait rire, mais tant mieux, tu vois, la preuve que ça se passe. Allez, hop. Tu vois, regarde, on a des vrais tracteurs aussi, hein, tu vois, regarde, allez, ah. Eh, mais c'est un Valtra, enfoiré. Mais c'est un Valtra. Ah, c'est le S. Eh ben oui, c'est le S. Attends. Hop là, ok. C'est attaché ou pas? Ouais. Impeccable, n'est-ce pas? Hop, hop, hop. Oh, avec plein de feu. Oh, on fait du tuning, les gars, fais gaffe. Oh, je vais tout allumer. Oh, oh, il y a des feux de partout, c'est génial. On est parti, wouhou. C'est de la balle, c'est de la baballe, wouhou. Ah bah là, là j'ai tout allumé, tu peux pas dire le contraire. Hein. J'ai les gyros, les clignots, tout, 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 tout. Hop là, allez hop. Ah ouais, mais là je me suis éclaté là. Hop là. D'après toi, il y en a encore un peu plus bas ou pas, gros? T'en as laissé ou quoi? Ouais. Ah mais pendant que je suis remonté, t'as... Chef, oui, chef! Oh là là. Putain, salopard. Ah, il m'a fait rigoler, mais pas trop quand même. Ah, quand on se met de moi, je suis innocent, moi, monsieur dame. Je connais rien. Je connais rien côté tracteur, moi. J'en ai conduit 2-3, mais bon, sans tout ça. Ah, c'est pas un métier hein, chez moi. Conduire, oui, c'est un métier, mais le tracteur, non, pas trop. Hein. Ouais, y a rien, hein, mon gars. On a fait une blague, là. Ouais, bah ouais, voilà. Ah, tu voulais visiter, c'est ça. Ah là 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 là. Ah oui, tu cherches la tour Eiffel. Ouais, c'est par là. Ah ouais, bah oui, hein. C'est quoi? Allez, hop, on se casse de là. Hop là, et allez. On n'oubliera pas de rentrer le Fiat à la maison. Voilà. Oh là 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 là. C'est toute une histoire, si vous saviez. Toute une histoire. Là, normalement, tu sais quoi? Vu qu'on a pris par là tout à l'heure, on va reprendre par là. Hop là, allez. Pardon. Pas où je veux, j'essaie de couper à travers parce que l'avantage c'est que tu vois beaucoup de routes mais il y a beaucoup de chemins et en fait bah, les chemins sont beaucoup plus enfin en journée ça doit être super intéressant. Là le problème c'est que de nuit c'est un peu la misère non mais non autrement ça va nous avancer les factures et on va se recaler les congés non. Je longe le champ là qui est à ma droite. Ah bah impeccable. J'aille rejoindre l'autre passage à niveau. Excusez-moi les gars, on essaye de. On est après discuter de cantine. Hein. Cantine et cuisine. Mais par contre, vous pouvez regarder. Hein. Gyro, plein phare, il y a tout. Hein. Ça m'a trop manqué. Ah des feux, des feux, des feux. Des phares, des phares, des phares.
Et ouais. Hop là, allez, vas-y, trace. On aurait dû monter le Fiat sur la remorque de l'arrière et puis c'était bon. On le mettait à la maison. Ah, salopard. Voilà. De quoi, dis-moi? Ah, bah ça. Ouais, bon appétit, monsieur jeune agriculteur. Prends soin de toi. C'est clair. T'inquiète, t'inquiète. Non, non, mais tu vas comprendre, tu vas comprendre. Excuse-moi, mais c'est là que tout à l'heure je me suis fait avoir. Je vais te montrer. Non, non, mais là, ici, c'est ici qu'il y avait des rochers sur le côté. Mais en fait, je vais te montrer pourquoi je passe par là. Je vais te montrer. C'est parce que juste après ça, non, pas l'arbre là, un arbre un peu plus loin là, tu peux passer. Il y a un petit couloir et hop, tu glisses. Et en fait, ça te fait tomber quasiment au pied de. Attends. Merde. Non, c'est pas là. T'as un passage là qui. Ouais. Alors, je sais plus où il est. Il était un peu avant. Non, il est là. Ouais, je vais t'expliquer. Tu passes là. Voilà, regarde. Hop. Et tu descends tout droit. Et en fait, ce champ, on l'a déjà fait tout à l'heure. Tu sais, c'est le champ. Et tu tombes quasiment au comment ça s'appelle à la barge. Voilà. Donc, vue d'intérieur, ça donne ça. Hein. Je vous le dis directement, avec le chef qui est à côté, il est droit comme un i. Hein. Si tu bouges une oreille, il te met des claques de bûcheron. Il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est quand tu as un peu d'élan, voilà, il faut vraiment lever le pied et freiner, sinon tu as le truc qui pousse. Voilà, donc regardez. Hop là, on arrive, on va prendre peinard. Voilà. On est d'accord. Hop, on monte. On fait hop, on fait hop. Et on fait hop. Voilà, pour faire ça, tu vois, pour d'aller cette berge à l'autre, là, tu prends, tu appuies clic gauche souris et tu fais glisser ta souris vers le bas. Hein? Et quand tu arrives de l'autre côté, bah, tu fais comme ça. Clic gauche souris et tu montes la souris, tu fais glisser la souris vers le haut. Voilà. Tout simplement. Mais c'est chiant parce que tant que tu n'as pas trouvé tu sais, le bon timing, bah, tu te fais caguer un petit peu. Mais bon. Voilà. Vu qu'on est des pros du tracteur et qu'on ne raconte pas que des conneries. Ah, ça le pari m'a eu, hein, avec ces histoires. Hop, 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 voilà. Avec ces histoires de remorques, là. Ah là là, encore. Elle m'a fait rigoler aussi. Je connais rien, mais. Ah, n'empêche, je te regarde, hein. On fait notre petit bonhomme, hein. Lâche-toi, hein. On va faire notre bien. Ben, on n'avait pas fini la mission. Si, on a fini, non? C'est que le bénéf, ça? Ah ben bon, ah ben bon Dieu, dit, c'est bien, ça. Ah bah ben, oui. Toi, c'est pour ça que je te disais que les plateaux, là, ben ouais, c'est cool qu'ils nous aient rappelé comment ça marchait. Parce que, je te dis, pas utilisé depuis un bon moment et je savais même plus que. Si, pour les palettes, oui, voilà, je savais qu'il fallait appuyer U et les palettes, ça allait charger seul, quoi. Mais là, de là à transformer pour mettre les bottes, ah bah alors là, l'idée, elle était. Ah, c'était pas fabuleux, hein, putain. Et si j'avais su, on aurait pu déjà commencer hier, tu vois. Hier, j'étais colère, on peut pas le faire, machin, tu te rappelles? Oh, punaise. Oh là là, bref. Ouais, bah c'est bien. Parce que t'as vu qu'on a quand même acheté 70 000 litres, on a acheté ouais, pas mal de trucs. Là.
Là là là, voilà. Tac, ne bouge pas. On va se mettre la remorque pile poil à l'arrière du bâtiment. En plus, je savais même pas. J'ai appuyé tout à l'heure, mais j'avais même pas vu. J'avais laissé le travail sur le. Sur le Fiat, j'ai fait tout dans le noir tout à l'heure. Mais tu sais quoi, mais il n'y avait pas de feu du tout, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai tiré d'une remorque, j'en ai mis sur l'autre. Oh, c'était un type. Quelque peu, c'était un petit peu le caca, mais bon. C'est bien parce que j'essaie de me créer des problèmes là où il n'y en a pas. Hein? C'est ce qu'il faut dire. Allez, c'est vendu. Voilà. Hop là. Ah bah, toujours ça de prix, pépère. Hop là, bouge pas. On fait marche recul. On descendra du camion, du camion, du tracteur. Non, non, après, viens, viens avec moi. Viens. Pas de mariole. Je joue pas de mariole, je suis au-dessus. Je passe une marche arrière. T'arrives? Ah voilà. Là, on va au market là-bas. Comme ça, tu seras arrivé. T'as pas besoin de. Après, je vais réinitialiser le Fiat. Ouais, il y a que le Fiat en bas. Un peu calme. Le Fiat, il va rester dans la cour de la ferme, là, il va être très bien. Après, il y a des maïs dans le premier champ qu'on a fait, là. Hop là. Allez, allez. Opa. En tout cas, la statue du bœuf, elle est magnifique, allumée la nuit comme ça. Honnêtement. Hein? C'est chouette, hein? Hop là, pas. On se prend la descente. On fait la première à gauche. La première à droite. Voilà, on se met le long du bâtiment. Et puis voilà. Et on descend et on a fini. Youhou! C'est de la bombasse. Tu encaisses ça la mission. C'est. Oh, tu casses tes pieds, hein. Obtenir, tu fais, voilà. Ok, hop là. Je vais récupérer mon Fiat, là, je vais le ramener là. Il est là. Réinitialiser. Voilà. Hop là. Et voilà. Vas-y, c'est toi qui choisis. Il est 3h55, dis-toi si tu prends une grande mission, on va finir les 3 jours. Voilà. Voilà. Tu me dis quand tu as choisi. Après, tu fais. Dis-moi. Comme tu veux, comme tu veux. Et comme tu veux, ça me dérange pas, tu sais ben moi je fais tout. Après tu prends la troisième solution, hein, tu n'oublies pas. Avec ouais voilà, c'est ça, exactement. Oui, non mais après, ça on arrive tous à se tromper, hein. Et bah, pas trop. Attends, j'arrive. Attendez-moi. Tu m'as dit? Attends, je vais te dire direct, hein. Hop là. Hop là. Hop, 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 hop. Maïs, c'est. 104, c'est du maïs pépère. Attends, attends, le 100, ah, je prends les deux bennes. Tu sais, les deux. Attends, le 104, 104, 104. Attends, je suis juste après chercher le terrain. Et après, j'arrive direct. 104. Voilà, vache. D'accord.
Donc tu descends, bah ouais, voilà. Au lieu de prendre le zigzag là, faut aller tout au bout vers 118, tu sais, au bout de... Non, on emmène tout là-bas, d'accord? Tout là-bas, ce sera rapide, hein. Attends, hop là. Ok, ah, bouge pas. Prends le tracteur, le dolly. Ok. Bouge pas, c'est du maïs. Ah, impeccable. C'est quoi, New Holland? Ok, cool. Moi, je vais à la ferme, j'arrive, pépère, d'accord? Je vais aller chercher les deux. Ah, mais elles sont même pas à la ferme, elles doivent être derrière. Je les ai garées derrière. Ouah, il va super bien lui. Hop. Mes aïeux, ça roule d'enfer. Elles sont là. Faut juste que je prenne le dolly. Parce que. Bah, il n'y a pas de dolly dessus. Ah, mais dolly, il est à côté. Ouais, oh, le New Holland, il va bien, hein. Oh, combien on voit lui. Oh. Bah, dis donc. Hop là. Donc petit loulou, on fait pareil que tout à l'heure, on met tout sur la barge et on est des barges. Hein, dis-moi? Y a pas grand-chose. Mais tu veux quoi? Tu veux qu'on emmène les deux remorques ou qu'on en emmène qu'une? Tu crois? Attends. Attends, on va voir. Eh, hey, mais on livre à côté. Tu livres juste, on livre juste en haut. C'est sûr, on prend qu'à 70 000, non? Non, 30, non, on va prendre les deux, on s'en fout, de manière, c'est pareil. Qu'on en prenne une ou qu'on en prenne deux, c'est la même, hein, j'ai envie de te dire. Elles vont prendre l'air, allez hop, c'est parti. Voilà. Donc, quand tu sors de la... Pareil, et tu descends, et au lieu de tourner où, là où on a tourné tout à l'heure, bah, tu continues, ouais. Ça va être une chouette affaire encore ça. Hop là. On est parti. Ah ouais, parce qu'on peut passer à travers les clôtures là, donc je ne sais pas. Mais on peut le faire. Voilà. Bon, on va voir de toute manière si une remorque suffit, on prendra qu'une remorque, on reboutera l'autre et voilà. De toute manière, c'est pas un problème. Ah, le gars il est déjà parti comme une balle hein, devant. Ah, ça attend zéro ici. Hein? Ça attend zéro en anglais. Hein? Oh là là, les gars ils roulent comme des balles. Bah au moins t'es content, tu vas conduire la mauvaise batte. Ah là. La mauvaise batte. Allez, vas-y. Oh. Et on tape dedans comme des forcenés, hein, je te le dis. C'est vrai? Oh putain, niveau de dalle. Je voulais voir si on y voyait plus clair que dalle. Hein. Y a pas à faire. Hein. Une Il n'y a pas le temps, hein. Il n'y a pas le temps. Je vais te passer à côté, j'ai passé comme une balle. Par contre, tu sais quoi? Elle est bien ce tracteur. Il va bien, il va super vite, il va super bien. Il y a un truc qu'ils ont oublié de poser, hein. Les freins. Ah ouais, il n'y a pas de frein. Oh putain, je viens de me faire une. J'ai cru qu'il allait me pousser à la rivière, bordel. Oh mes aïeux. Ouais, va pas à la rivière. Hein. Ouais. Quand j'ai vu ton truc côté rivière, je me suis dit, ouais. Naise. Il y avait un arbre.
quoi, t'as les arbres qui traversent la route ou quoi? Ah bah ça, ça peut être hein. Ah, il y a des arbres, c'est les fleurs qui font. T'as, regarde, il y a encore mais un pays, hein, il y a encore mais un agriculteur qui se balade la nuit avec, avec sa bétail. Eh ben, on n'est pas rendu avec un truc pareil, hein. Vas-y, t'inquiète pas. C'est vrai? Non, ça t'est brûlé ou pas? Ah. Ouais. Oh là là, t'as fait une... Oh, oh, comment t'as fait une... La retourner, la bête, là? Quoi? Ouais, j'ai vu, t'as la maîtrise du matériel, hein. Oh là là. Par contre là je vais avoir un problème. Tu sais pourquoi? Parce que les deux remorques là, tu vas voir, sur le bateau. Ça va déborder un tout petit peu. Bah, j'avance pas trop vite, je suis derrière toi, donc je vais te dire, ça y est, il roule mais déjà comme une pioche. Oh, bon sang, on n'est pas rendu. Hein. Regarde le bateau, regarde s'il est à quai hein, d'abord. Hop, 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 il fait peur, il fait. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Ah bah allez, hein, vas-y, grimpe. J'ai cru que tu avais envie de passer par-dessus la troisième corde, donc vas-y, vas-y, avance, 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 mets-toi au bout. Stop, 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 stop. Cherche pas la merde, t'es pas obligé. Hein? Ah oui. Hein? Ah bah. Ah bah le tracteur ça passe juste. Hein. Tracteur remorque, ouais, bah oui. Bah oui. Mais ça, je t'avais dit tout à l'heure, hein, ça passerait juste. Hein. Après, les mois se battent, ouais, elles passent, mais tu vois. Mais là, ce qui est bien, c'est que si un jour on a un grand champ, bah, on rentre tracteur, machin, et, enfin camion, remorque et tout. On peut mettre des. On peut mettre deux combis dessus, tu vois. Allez hop, pile de la mauvaise trou. Et tu vois, ça passe même bien. Hein. Alors. Moi je t'ai dit, on a le matériel qui est adapté à. Là, faut pas plus gros, tu vois. Parce que si on prend plus gros matériel, eh ben après ça va plus. Prochaine route à droite, à gauche et après on y est. La Kodak. Pour ça que quand on me dit ouais, faut prendre ci, faut prendre là. Non, non, on a juste les. C'est ce que je disais, j'arrivais à expliquer aux gars, enfin aux gens, c'est que nous on essaie d'adapter le matériel aux. Ces poteaux qui traversent ces routes là comme ça, c'est chiant. Ah bah. À gauche. Et ah!
De quoi c'est pas emmerdant? La nuit? Dis-moi. Ah non, le trajet est intéressant, honnêtement. T'as vu, on est organisé, tout tranquille, ça passe, hein. Bien sûr que non. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, et je le dis encore, hein. Cette map, elle me ressemble. Ouais, elle ressemble à Farming, mais aussi elle a un côté un peu. Si on a des camions et des remorques, on va pouvoir rouler, mais bon, on va pas trop parce qu'il y a quand même des radars partout. Donc il y a un mélange de bah, ceux qui aiment l'agriculture, ils sont contents, ceux qui aiment le transport, enfin, la logistique, ils vont être contents aussi parce qu'il y a, il y a moyen de faire des beaux trucs. Après, faites gaffe, hein, il y a des trucs comme ça qui s'appellent radar, il y en a partout, ils nous coûtent des blindes. Hein. Voilà, mais bon. Maintenant, ouais, voilà, comme je dis, ça me faisait penser à un. Ouais. J'ai dit, hein, c'est ça. Hein. Alors, retruck, un petit retruck. Ben, ouais. Tranquille, quoi. On est où, on est où? Avance encore, avance, avance. C'est au bout du champ 105, vas-y. Vas-y, avance, t'inquiète. T'inquiète, le 104 il est au bout après. Pour ça, je te dis, cette map elle est intéressante, mais il faut pas rester. Les extérieurs, faut faire comme la nuit là, comme ça. Et quand il fait jour, faut faire plus. Ici en haut, là, les champs où il y a les petits chemins de terre. C'est intéressant, voilà. Mais autrement, la nuit, faut pas rester dans les chemins de terre parce que tu vois le dalle. Voilà. Et après, elle est hyper intéressante, cette map. C'est pour ça que. J'ai envie d'y rester un petit moment dessus, ce sera à droite peut-être. Après, j'ai envie d'y rester un petit moment dessus, elle me motive méchamment quoi. Parce que j'ai envie de découvrir plein de trucs quoi. Non, mais on n'est pas loin normalement. Là, ça devrait être à droite, ça fait faire ce champ de maïs qui est à ta droite. Hein. Voilà. Hop là. Après, j'ai envie de te dire, ouais, c'est là. L'entrée, je sais pas où elle est, mais bon, elle est là, hein, après tout. Tu vas? Ah, bien, pop, 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 et oh, tu feras gaffe, il y a un bruit, il y a une rivière sur le côté, hein. Oh non, non, c'est pas le con. Il y a une rivière. Ça y est. J'ai failli sauter dans la rivière. Ah là 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 là, il y a rien de sérieux, je vous dis. Dis-moi. Ouais, c'est long. Ouais, faut vraiment faire attention. Il y a des fois, il y en a qui vont couper, ils vont se trouver le nez dans l'eau, hein, voilà. Oui, bah c'est une rivière, c'est ce que je t'ai dit. Mais il y a un gros, il y a une espèce de grande rivière, mais il y a un petit ruisseau juste à côté là, donc. Ouais, bah j'ai failli sauter dedans, je sais. Tu attaques ou quoi? Ah là là. Mes aïeux. Moi? Ah bah. C'est pas bien malin, je trouve, hein. Bien sûr. Je vois que ça, moi. C'est toi qui conduis, mais c'est de ma faute à moi. C'est quoi? Tu veux que j'y aille ou quoi? Non, 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 non. Non, le premier truc que tu fais, tu te mets sur la machine. Tu cliques G, tu te mets sur la machine, tu appuies sur X pour la déployer, et après tu appuies sur G, voilà. Ah bah enfin.
Enfin, on va pouvoir se réveiller. Eh ben, dis. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont lents, ces ouvriers. Trop cher, ces gars-là. T'inquiète, je te surveille de loin. Ouais, mais il a l'air grand aussi l'affaire là. Hein. Ah, par contre, j'entends super bien l'éolienne qui est à côté de moi. J'ai bon, bon, bon. Ah ouais. Tu jettes pas dans l'eau, hein. Ne te jette pas dans l'eau. Ouais, non, mais je m'inquiète pas, c'est pour le matériel surtout. Oh, le salopard. T'as vu, il y a plein de petits parcs. Ouais, ça va être intéressant à mon avis pour les animaux, ça. Parce qu'à mon avis, tu dois acheter peut-être des moutons, parce que t'as juste à foutre de l'eau. Donc vu que le mouton il est relativement rustique, si t'as que de l'eau à mettre une fois de temps en temps, je pense que ça va être plutôt sympa de... Encore, j'ai pas encore vu les animaux qu'il y avait sur cette map. Enfin, pas encore tout étudié, quoi, toi. Ah bah oui, bah normalement oui, hein. Normalement oui. C'est combien de pourcents dans une montée, peut-être? Ouais, ça va, il paye bien. Parce que il y a retourné au sol, franchement, il m'a fait une tour de sol. Oh là, t'as vu le bordel, mes avis sur ce. C'est pas humain. Ça payait pas, c'était long, c'était trop. De quoi? Non, j'avais pas choisi, hein, attends. J'avais rien choisi, moi. Moi, je croyais que ça allait être bien, hein, enfin, ça allait être rentable, quoi. C'était rentable, rien du tout, pépère. Hein. Oh. Ah ouais, calvaire le truc, hein. Enfin, calvaire. Enfin, calvaire, mais bon, chier, quoi. Ah, chier. J'ai envie de te dire, on est tellement habitué à avoir des gros potentiels. Il y en a qui te mettent des statues trop bonnes, ça. Bon. Ah ouais. Ah bah c'est. Impeccable.
Je te dis là, mettons qu'on a 1 000 000, on va le préserver. Je te dis que là, tout ce qu'on va faire là, on va le garder. Tu sais pourquoi? C'est parce qu'après, je suis soldé ce putain de crédit là qui me fout des boutons. Voilà. Et après, on va commencer à voir pour les terrains et tout. Mais un terrain, c'est 800 000 balles. Ah, d'ailleurs, je vais regarder un petit peu. Voilà. Hop là. Tac. Bah, genre le 85, tu sais, celui que je t'ai dit tout à l'heure autour de la ferme, là, le champ en herbe. On va cliquer. Voilà, 85. Ça te fait toute la parcelle, bah, tout autour. Voilà. Il est à. Ah, maintenant, il est à 378 000. Et on peut prendre celui-là. Hop, bouge pas. On va payer, je rachète le crédit, c'est quoi? Et une fois que je l'aurai, je prends 378 là, et après on peut modifier parce qu'il y a un champ à l'intérieur. Il y a de l'herbe, oui, sur les côtés, mais il y a un champ à l'intérieur. Et attends, 84, il fait combien? Et le 84 qui est juste à côté, t'es d'accord? L'autre côté de la voie de chemin de fer, c'est celui qu'on avait fait hier, tu sais, ouais. Il est à 324 000. Ça va, c'est pas. Non, je pensais qu'ils étaient beaucoup plus chers. Attends, et là, lui, le 86, je regarde. Ah oui, 86, 851 000, hein, quand même. Oh ouais. Et 83, le premier qu'on a fait, 984 000. Il pique les yeux, hein, quand même, un petit peu, hein. Mais bon, voilà, tu vois, tu as quand même deux, trois trucs qui sont. Donc ouais, je crois qu'on va attaquer le 85 et 85-84. Comme ça, au moins, on aura au moins deux champs. Ouais. Comme ça, on a une parcelle là. Après, attends, je vais voir un truc. Le 88, il a 110 000. Le 80. Attends, je regarde. Je vais après faire le tour. 196 000. C'est-à-dire qu'en gros, si on persiste dans ce qu'on fait, tout le quartier, on peut l'avoir en peu de temps. Tout le bas de la voie ferrée, quoi. Et par contre, le 85, le 95, il y a combien? 590 000, c'est un champ en herbe, ça, et 101. 384 000, 386 000, le 101. Toi, ça me dirait bien de prendre le 101, et limite, s'il y a les potes qui viennent, on prendra la forêt qui est à côté, qui est à 318 000. Comme ça, on ponce la forêt, on fait un champ. Et on améliore la rentabilité du 101. Et les de l'autre côté, il est vers les. Comment ça s'appelle? Les silos ferroviaires, là. Tu veux que j'avance ou quoi? Allez, j'arrive. Attends. Ça me travaille dans la. Faut réfléchir, hein. Putain. Parce que oui, c'est tellement facile d'acheter, mais après, faut gérer. Parce qu'on a toujours pas de déchômeur, on n'a rien, quoi. Ouais, voilà. Donc en fait, oui, je vais acheter un champ ou deux, c'est question de dire qu'on pose nos véhicules dessus, tu vois. Mais après, le problème est le même, hein. Si on n'a rien pour aller labourer ou travailler le champ, c'est pas utile, quoi. Après, un déchômeur, c'est pas ce qui coûte le plus cher, mais après, il faut le tracteur pour le tracter, tu vois. Enfin, c'est plus simple, peut-être. En tout cas, je crois pas. Faudra regarder, quoi. T'as compris, quoi. Mais après, le problème, c'est que si on achète des champs, après, il faudra une batteuse, il faudra, tu vois, ouais. Donc, ben, faut voir, faut. Bon, je sais pas si j'achèterai pas la batteuse en premier, tu vois, la moins batte en premier. Un tracteur moyen pour tracter le semoir. Un déchômeur, tu vois. Vraiment le minimum syndical, quoi. Et au moins pour attaquer le 80, tu vois, genre des petits champs, quoi. Mais t'inquiète, on va te cabasser, tu peux faire. Pas de soucis. Hein. Moi, c'est pas ce qui me fait souci. Hein. Après, moi, ce qui m'embête un peu, c'est le coût de la produit, ça, qui est régulièrement souvent devant le bâtiment. Bah ouais, mais ça prend une heure et demie. Alors, le problème, c'est que si ça vous arrive,
La seule façon de s'en sortir, c'est réinitialiser le véhicule. Parce que ça se réinitialise au market, tu vois. Le problème, c'est que, bah ouais, si on met des stylos à l'intérieur, ça va être chiant. Si on met quoi que ce soit dedans, ça va être pénible, quoi. Donc, ouais, c'est bien que ça se fasse une fois de temps en temps, cette merde, mais quand même pas tous les jours, quoi, tu vois. Mais normalement, je t'ai dit, mais quand j'ai dit, je l'ai dit, hein, normalement, dans une semaine et demie, c'est bon, on n'est pas, on n'aura pas tout acheté la map, mais on va dire, on va être autonome et on va produire, on aura déjà cabassé une paire de ciseaux, quoi. Hein, on aura déjà. Mais bon, après tout ce calcul, c'est vrai que c'est ouais, c'est chaud patate. Rends ta buse, appuie sur O. Comment si tu tournes au train d'un arbre, là-bas tu vas être emmerdé. T'es bien là-bas, c'est chouette là-bas aussi où tu es. Il y a de la flotte par là-bas. Une péniche plutôt fond, c'est sympa. Non, un petit ruisseau qui passe. Non, honnêtement, elle est vraiment, vraiment, vraiment petite map, bien belle. Regarde, hop là, le petit ruisseau. Il n'y a pas de poisson, mais l'eau est très limpide. Je viens de me rincer les pieds. Oh, l'eau est toute verte, maître. Ouais. Je viens de me rincer les pieds, l'eau est toute verte. Ouais, là, à mon avis, tu dois pouvoir mettre des bêtes. Hein. Il n'y a pas à péter. Hein. Et à mon avis, il faut l'acheter le pâturage là. Voilà, hop là. Et ouais, faut voir. Je suis allé voir combien va se payer cette affaire-là. C'est quoi, mais si le pâturage, on peut l'acheter et qu'on peut y mettre des moutons. Oh merde, 122 000 balles. Ça coûte rien, un pépère. Hein. Le pâturage qui est à côté. Ouais. Là, on met deux moutons dedans. Est-ce qu'on peut. Ouais, mais est-ce que. Attends. Le problème, c'est que si on met des moutons et qu'on fait de l'herbe, enfin, qu'on fait de la laine, tu es d'accord avec moi? Où elle sort la laine? Ah, bah oui! Bah oui, parce que. Hein? Dis-moi. Non, mais t'as rien à foutre de ça. T'as que de l'eau à poser. Re, jeune agriculteur, re à toi. T'as que de. Attends. Après, est-ce qu'on peut mettre des animaux par où on les rentre? J'ai pas trouvé la grille du barbecue pour les rentrer. Pardon. Voilà, mais si on peut mettre des. Ouais. Non, Démon est pas là ce soir. Démon doit être devant son cache. Ouais. Enfin, ouais. Il n'est pas en jeu ce soir. En tout cas, pas là. Tout à l'heure, il était là parmi nous, mais il était sur. Comment ça s'appelle? Sur ETS. Sur Eurotruck. Voilà. Mais t'inquiète, hein, j'ai passé ton bonjour et tout, il n'y a pas de problème. Hein. D'ailleurs, je crois qu'il t'a répondu. Ouais. Ouais, voilà, en plus, t'as une barrière qui s'ouvre. Elle est magnifique, la barrière. Ah ouais, mais. Oh ah oui. Ah bien. Ah bien, ah bien. Ah bien. Ah, c'est chouette, hein. Hein? C'est beau, ouais. Ouais, c'est vrai qu'on est un peu loin. Donc, on aura un pâturage à côté du corps de ferme. Et puis, c'est surtout qu'il fera une. Comment ça s'appelle? Une bonbonne d'eau, voilà. C'est un jerrycan quoi pour remplir, enfin un jerrycan, une cuve à eau, voilà. Donc non mais c'est bon, c'est bien. Après oui c'est vrai que c'est vrai qu'on a la petite remorque là pour mettre des petits, tu sais les animaux là. Donc, bah pourquoi pas, faudra voir. Hein. Mais il y a moyen, hein. Moi je te dis, il y a moyen de faire. Hein. Mais il faudra regarder, faut que j'aille voir. Je vais laisser le camion là, tu me diras. Je vais aller voir vers le corps de ferme si on n'a pas un parc, un truc comme ça, quoi. Et ma foi. Ouais, t'as compris. S'il y a moyen d'acheter un champ, des fours et deux moutons dedans, alors comme ça va être réglé le truc. Un barbecue, hein?
Deux moutons, un barbecue, t'inquiète. Allez. Allez. C'est cramer la bête. Magnifique, honnêtement, cette map est vraiment. Ouais, elle m'a détendu, hein. Oh là. Ouais, il va pas mal. Pour l'instant, comme tu dis. Enfin, je vois pas pourquoi ça changerait aussi, mais bon, sait-on jamais. Hein. Écoute. Ah là, on sait vraiment jamais. T'as vu le. On était bien parti sur l'autre et c'est parti tout en déconfiture en 2-2. Hein. Voilà. Rendre visite. Attends, ouais, ok. Attends. Ça, j'aimerais bien savoir ce que c'est. D'accord. Ça m'a vachement avancé. D'accord. Lol. Là, j'aimerais bien savoir s'il n'y a pas un parc. S'il y a un parc, je vous dis, je fais l'acquisition du parc. Ouais, non, merde. Non, c'est pas un parc. Non, mais non, mais non. Hop, 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 hop. Il y a des voies ferrées ici ou quoi? Ah, il parle SNCF, ça continue. C'est dingue. Allez, voilà. Hop là, ça c'est une forêt, ça c'est sûr, on peut pas se tromper. Par contre, voilà, la forêt, des forêts, on en a plein, je pense qu'il y en a plein qu'on va. Faut vraiment qu'on fasse le tour. S'il n'y a pas de cabane, on refait du terrain. C'est-à-dire, t'achètes la forêt, une fois qu'elle est poncée, qu'il n'y a plus rien dedans, paf, et allez, hop là, tu fais un bon gros terrain pour cultiver, et ça va très bien. Voilà. Mais en fait, je voulais faire bah, par exemple, cette forêt-là, en associant le champ qui est à côté, le 101, ouais, ça aurait fait un méga terrain, quoi. Enfin, un méga. On va dire un terrain qui serait légèrement un peu plus grand. Voilà. Ça aurait pu être cool. Voilà. Reste à voir si c'est possible de le faire. Voilà. Mais bon. Voilà. Après, il y a plein d'idées. Bah, les idées, en général, c'est fait pour être développé. Hein, mais à voir si on peut ou pas. Et voilà. Il n'y a pas de raison. Hein. Hop, hop, là. En tout cas, tout ce qui est portail et compagnie, c'est très actif. C'est clair que même si ça sert à rien, c'est hyper actif tout ça. Voilà. Hop là, il y a quoi? Je me souviens même plus à tout à l'heure. Légumes, salade, conserve. Ah oui, d'accord, c'est une conserverie. Normalement, c'est marqué dessus. Mais il faut l'acheter pour acheter le terrain. Ça marche. Voilà. C'est bon. Attends. Un petit truc là, il n'y a pas un bouton. Vas-y voir. Attends. Non. Est-ce que c'est actif ou pas? Non. Ah, là. On essaye, hein, sait-on jamais. Par contre, ces silos, je sais pas si je peux transférer dedans ou pas. Ça, le problème, parce que. Si on peut transférer, c'est une bonne initiative et c'est une bonne loi. Si on ne peut pas transférer, ben voilà. Et en fait, j'aimerais bien stocker. Par contre, ces poteaux lumineux là, ils sont magnifiques. Ouais. Attends. On va voir. Ouais. D'accord. D'accord, maintenant. Mais là, on fait quoi? Ouais, mais c'est ça le problème, c'est qu'on sait pas. Voilà. C'est qu'en fait, je t'explique, moi je voudrais bien. Attends. Le problème, c'est que moi j'ai un gros cul, je rentre pas là, mais. Ah oui. Une porte, on va voir. Pas actif. Ok. Parce qu'on a ces silos là, mais on a derrière aussi. Oh putain, mais faut skipper. Oh putain. Ah mais d'ailleurs, je n'avais pas. Alors, on a ça là aussi. Ah ben il y a l'autre. Ouais. Tu vas passer un train, d'envoyer un deuxième. Okay, un train pour en cacher un autre. Voilà. Donc on a deux sirènes de silos.
Donc j'aimerais savoir par exemple celui-là, comment on fait pour le remplir, tu vois. À part passer par le train, j'ai pas trop de solutions. À moins qu'on puisse faire des transferts par... Je sais pas. Je sais pas du tout. Je sais qu'on peut livrer dans un silo là-devant. Alors je sais pas si c'est un point de vente. Normalement, c'est pas un point de vente parce qu'il est blanc. Donc tout ce qui est blanc, c'est propriété. Bah, c'est des trucs de... Pardon, des usines de fabrication. On est d'accord? Tout ce qui est jaune, enfin jauni, voilà, c'est des points de vente. Voilà. Après, le problème est toujours le même, hein. Tu vois, c'est marqué silo ferroviaire central. Le problème, quand je clique dessus, je fais terrain, je clique dessus, bah, je peux pas l'acheter. Pourtant, il y a une petite parcelle. Par contre, celle d'à côté, la conserverie, je peux l'acheter à 197 000 euros. On est d'accord? Ça, on peut l'acheter. L'huilerie, je peux l'acheter à 209 000 euros. C'est-à-dire que si on veut, on peut commencer par faire de la conserve et de l'huile. Tu es d'accord avec moi? Par contre, ben voilà. Après, si je clique sur le tome matériaux et le magasin, ça m'envoie un truc qui est démesuré, quoi. Voilà. Voilà. En gros, j'ai cliqué. Ah non, pas de magasin sur à côté. Et ça m'envoie un truc à 9 millions 900, enfin 900 millions et des bananes. C'est un truc on n'y arrivera jamais, quoi, ce truc-là. Voilà. Mais bon, ça t'allume tout ce qui est en bleu. Donc en gros, et ça t'allume tellement de trucs autres. Pour ça que c'est bizarre, c'est qu'il y a un truc qui, je sais pas. Alors ça peut être intéressant. C'est pour ça que la plage l'autre jour, il y avait trois points d'interrogation. Donc au passage, j'aimerais aussi savoir à quoi servent les points d'interrogation, tu vois. La Syrie, la Syrie se paye aussi, bien sûr. Donc rendre visite, on va aller voir. Après, est-ce que la Syrie peut être active? C'est par train, c'est par quoi? Oui, j'ai vu que c'était par train aussi. Voilà. Donc en fait, la Syrie, je sais comment la faire marcher, mais bon, le problème, il est que faut l'acheter pour la faire marcher. Voilà. Il y a un côté où ça paye, il y a un côté où tu fais travailler. Donc attends, on va regarder, hein, de toute manière, pourquoi on s'en priverait. Voilà. Tu mets du bois, t'as des planches et des copeaux. Ok. Mais ouais. Monsieur Démon, t'as un bonjour de jeune agriculteur. Voilà. Voilà. La Kodak. Voilà. Ah ouais, d'accord. Arrête. J'étais prêt à regarder la série que qui a, elle est pas chère, enfin elle est à 200 000, tu vois. Après, voilà, faudra trouver deux trois trucs, quoi. Ce que je disais, il y a des trucs qui sont incohérents, mais il y a des trucs quand même qui sont cohérents. Le champ 85, par exemple, qui est à côté de l'entrepôt où on est. Le champ 85, par exemple, est à 378 000 euros. C'est un champ en herbe, mais qu'on peut cultiver, tu vois. Voilà. Mais bon. Voilà. Après, est-ce qu'on n'achèterait pas une scierie pour faire comme tu fais d'habitude le bois? Bonsoir, monsieur Gabu, sur le chat du livre. Et qu'on ferait, tu sais, comme tu faisais, c'est-à-dire le minimum, on coupe les arbres, on les tombe et on... C'est sûr. T'as compris là? En tract. Ah merde! Ah ouais. D'accord. Ah bon, pourquoi? Bah alors? Bah alors? Mais c'est le bordel à la maison, hein? D'accord. Un écran noir. Allume l'écran, bon Dieu, Allume l'écran, bon Dieu. Bah oui. Bah oui. Bah oui, hier avant-hier, avant-hier. Non mais celui que t'as mis à jour là. Non? Ah. Ouais, alors t'as. La map, tu la vois? Ouais, dis-moi.
Ouais. Tu l'as débloqué, Pépère? Mais tu l'as bien pris sur le site. Non, 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 mais non. Mais t'as le mot de passe et tout, ouais. Ouais, bah oui, t'as le mot de passe, normal. De quoi, dis-moi? Ah non, c'est une mise à jour, ça. Hein, c'est ça, dis-moi, c'est la mise à jour. Ah oui. Ah, d'accord. Non, après, tu verras, je pense que tu vas. Non, je pense que tu vas bien aimer, toi, Dim Dim. Mais bon. Je pense que. Ouais, enfin, je sais pas. J'espère, hein. D'accord. Mais, ouais. Hop. Normal. C'est quoi? Ah. Attends, oh, je vais l'appeler. J'ai un appel d'un associé, sans un problème. Oui, j'arrive. Bah, bonne soirée à toi, jeune agriculteur. Merci d'être passé. Bon, t'as des mots qui te passent ce bonsoir. T'as le Discord qui te passe ce bonsoir. Voilà, sans problème. J'arrive. Bah oui. Mais non. Voilà. Mais c'est pas demain. Ouais, bonne soirée à toi, t'inquiète. Donc, dis-moi. Eh ben, qu'est-ce qu'il y a? Attends. Ah, attends, oui, attends. Attends, bouge pas, je la bouge. Ouais. Si t'es arrêté en cours de. Je vais essayer de passer après. Il n'y a pas de problème, jeune agriculteur, tu passes quand tu veux. Si tu vois de la lumière, arrête-toi, il n'y a pas de problème. Toujours bienvenue, tu sais, t'as compris. Ouais. J'arrive, Pépère. Ah, c'est les modes. Ouais, c'est les modes. Ouais, bah ouais. En fait, c'est les modes qu'il faut télécharger, il faut les dépaquer, après tu charges la map, Pépère. Ouais. Non, non, mais pas. Non, non, mais t'as bien compris. Ah, c'est jeune, ils y comprennent rien. Mais non, t'es fou, on ne perd pas. On ne perd pas. Mais non, t'inquiète. Trop de barbecue, t'aurais dû. T'as être. Un démon. Un démon. Bah, le problème, c'est que le barbecue, au lieu de le manger toi, t'aurais dû le partager. Le repas trop. Oh merde, pas de puits ou quoi? Pas de charbon.
Ah merde. Oh chiotte. Et par-dessus la troisième corde. C'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute à moi. Non, mais non. Hein? Comment? Ah ben ça faut pas lui proposer, tu sais ben. Ah t'es con. Ouais. Ouais. Mon Dieu. Donc voilà, ouais, après faudra qu'on en parle du concept là, gros, mais voilà quoi. Non, y a pas de problème. Mais de manière, je pense qu'à mon avis, il va bien kiffer. Mais bon, voilà quoi. Vu qu'on n'a pas beaucoup de thunes, dis-moi, faudra éviter de faire trop d'achats, il y a trop cher, hein. Non mais, non, je dois. Ah, tu vas pas commencer à casser les voyelles. Soirée. Non mais. Mais je sais comment t'es parce que j'ai déjà là, joué avec toi, donc. Donc je sais que tu fais comme tout le monde et. Ouais. Non, non, mais attends, il y a déjà Loulou qui est hyper exigeant, s'il n'a pas son tracteur, il fait des caca partout, alors c'est dans la merde, quoi. Mais son Jamy, c'est. Oh, c'est tous les matins qu'ils se mettent ces chiens. Oh putain. Oh putain. Poiré. Alors. Et alors, tout ça avec une tronçonneuse là-bas devant. Bon. Avec un disque, hein? Hein? Ouais, tu peux, ouais, moi j'en connais plein qui ont mis des disques, c'est des fous les gens. C'est inconscient, c'est dangereux. Ouais, non, mais c'est ça, c'est dangereux, quoi, mais il y en a. Ouais, voilà, oui, c'est ça. Qui toi, tu tapes dedans comme un gros bourrin? Oh, ça m'étonne un peu quand même, hein. Après c'est des boulons, hein, parce que tu sais, après c'est des boulons, tout dépend du montage. Ouais c'est boulons, c'est le montage à l'envers, ouais normalement, ouais. Oui normalement. Ouais. Ouais, tu tapes par terre et ça lève. Ou encore, il a eu de la chance. Imagine, ça se décroche, tu te prends dans les guibolles, le bordel, là. Ouais. Ouais, non, mais tu. Ouais, bah, attends. Oh. Ah, bah. Ouais, enfin. Ouais.
Claire. Ouais, pardon, ouais. C'est un pas à l'envers, c'est un pas anglais. Enfin, non, c'est même pas des pas anglais parce que les pas anglais, c'est des. C'est en pouce, tu sais, c'est des pas et demi là, c'est compliqué. Mais c'est des pas à l'envers. Ouais. Ouais, voilà, c'est des 0,25, 0, je sais plus trop quoi. C'est. Ils coupent les patates en. Ouais, ils coupent les patates en 4, casse les couilles. Mais normalement, c'est des pas à l'envers, elle est pas à l'envers. Ouais. C'est comme ça, tu sais, pour les Brel, là, les vis de Brel, là, les vis Brocan Brel. C'est des pas à l'envers, quoi. T'inquiète, le premier en général tu fais péter le pas de vis parce que tu te trompes à chaque fois. Mais bon. Après j'ai envie de te dire, c'est tellement pas courant. Si il y avait quoi qui était vissé en pas comme ça à l'envers. C'est pas les premiers embrayages sur certaines voitures qui étaient vissés comme ça, mec. Je sais plus, non mais je sais. Ouais, je crois. Non, peut-être pas. C'est pas la 21, non? Il n'y avait pas sur les 21 ou les trucs où. Non, mais il y avait un truc comme ça, ouais, mais il y avait un truc comme ça qui était. Il y avait un truc comme ça, un truc pourri où tu te fais. Putain, j'en ai démonté une la semaine dernière, la même. Et le problème, c'est que c'était pas la même, donc il faisait chier comme un racrogeux. Ah là là. D'accord. Ouais, mais il y a des fois, t'as le boulon, t'as le boulon et pas de vie. Ouais. Ouais, bah ouais. Ouais. Quoi? Ah oui. Regarde les gars, moi j'ai Loulou dans la batteuse, c'est massacre à la base batte. Hein. Il lâche rien le pépère. Hein. Wopé! Tu veux reprendre le pilotage, pépère, ou quoi? T'as encore un peu de mégot? Ouais, comme un démon. Elles sont folles, ces remorques. Hein. Elles sont vraiment folles. Et par contre, oui, tu verras, j'ai pris une BSM, tu sais, pour les patates, pour les trucs comme ça, parce que franchement, c'était trop long. Hein. Oh là là. Là, on a un ami qui a demandé après toi, hein, dim, 806. 806 mode, il voulait jouer avec toi. Allez, bon. 806 mode, il voulait jouer avec Dim Dim. Tu lui manques trop. C'est une blague, bien sûr. Oh là là.
Normal de lui casser les chouquettes à démon quand il y a. Oh putain. Le mec il se déconnectait, il se reconnectait, un coup il parle pas, oh là 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 là. Oh là là, comme il a pris la porte lui. Hein? Viens. Bah oui aussi. Hein. Il a de la chance de pouvoir jouer s'il n'y a pas de connexion. Normalement, comme ça. Ouais. T'en es sûr qu'elle a été enfin complète, enfin elle s'est pas coupée en cours de route par exemple, peut-être? Regarde la map, tu regardes la map et tu regardes sur ton. Ah non, d'accord. Non, parce qu'après, tu sais, pour regarder en combien de cas les. Enfin, combien la grosseur de la map, quoi. Bon, Loulou, tant qu'ils arrivent, les deux bras cassés, là, il va falloir qu'on fasse du business. Non, mais je rigole, hein. Enfin, il va falloir qu'on fasse de la réserve de thunes parce que, autrement, ils vont être très dépensiers avec avec leur rouge à ongles là. Ah là, ils vont être pénibles là. Ah là là. Ouais, donc, ouais, avec les mises à jour qu'ils ont fait sur Eurotruck, ils ont modifié quoi, démon? Toi, tu es au courant à peu près, non? Ouais. Ouais, c'est ça le problème. Parce qu'il t'a posé. T'as posé des liens méga, non? Ouais, comme ça, ouais, tu racheter un oeil après dans les véhicules, dans les packs de véhicules, tu me diras ce qu'il faut, ce que tu veux, ce qu'il faut faire. Enfin, il y aura, il y a des petites remorques, tu sais, pour les pick-up, là, ils sont relativement sympas. Oui, non, non, mais oui, non, mais je te dis, tu regardes. Non, mais ça, parce que tu fais pas d'efforts, ça, c'est sûr. Hein, Loulou, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, voilà. Ouais, tu vois, il confirme. Ça va pas casser les couilles. Pardon, tu vas pas nous casser les baloches, sinon je t'envoie Loulou après. Et je te promets qu'en ce moment, il est remonté comme un tic-tac. Hein. Ouais. Pareil, ouais. Et les moqueurs, je trouve. Ah là là. Après, si t'as une bonne pastille de la vaisselle, mais dis-toi, hein, une fois que c'est désinfecté, ces trucs-là, ça peut faire mal. Hein. Ah, t'inquiète, Loulou, il a trouvé une solution. Hein. Il attaque un champ, il fait, oh, viens, je dois boire un café, fumer une clope. Et il sous-traite le boulot. Ah là là, t'inquiète, il a compris la combine. Hein. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, il a compris la combine, t'inquiète, mais moi ça me dérange pas. Mais pire, si tu savais ce que. Bah ça me dérange pas, en plus t'as vu comment je fais? Ça me dérange absolument pas. Ouais, en plus, ouais. Puis moi je suis content, je promène mon petit loulou à côté de moi et. Bah attends. Ouais.
Bientôt, il va faire, je vais descendre piscine, sinon il va faire partir sur le fauteuil. Qu'est-ce qu'il y a, oh? T'as vu quelque chose, toi? Moi, j'ai rien vu. Casse-toi les pieds. Même le chat, ils ont pas vu. Regarde, personne dit rien. Que moi, j'ai baissé. Même moi, je roule en Fiat, j'ai pas droit à ça, et toi, tu veux un truc de ouf. Non, mais oh. Alors, mon cher Jim, juste pour information, on a commencé avec que dalle. Pour deuxième information, on roule avec des véhicules qui me donnent des boutons, hein, voilà. Donc, et il nous a alloué un crédit, cette espèce de foin là, quand j'ai ouvert la map. De quoi, de 25, 250 000 euros. J'ai juste un délire, tu sais lequel est-ce? Hein? C'est de rembourser le crédit pour pouvoir enfin amasser de la thune. Parce que chaque fois qu'il passe. Alors Loulou, il veut toujours qu'on accélère le temps. Le problème, c'est que chaque fois qu'il passe une nuit, il me prend 1 300 balles, le bordel. Ça casse les pieds, quoi. Voilà. Maintenant, je vais chercher à me justifier. Oh. À mon avis, il y en a un qui a pris une grosse tarte de bûcheron. Si je veux un quoi? Un pro? Ah. Attends. Un pro de quoi? Du pot? Non? Ah oui. Un pro. Ah putain. On aura tout entendu. Hein. Oh la bordel. Hein, t'as lu? Ah non, mais non, mais il n'a pas lu. Si tu veux un pro du taf, il faut. Ouais, tu parles. Ouais, mais je sais ce que tu vas faire. Je sais ce que tu vas faire, mais le problème du chemin de fer que tu vas voir là, si tu passes par-dessus, demande à Démon, il te met 50% de dégâts direct d'entrée. Hein. Le pire, c'est que le tracteur. Attends. Non, non. En fait, tu sais, tu te rappelles la stationnaire, tu voyais les petits chemins, tu sais, qui passaient à travers les rails. Là, le problème, c'est que tu vois bien les rails, mais tu vois pas les petits chemins. C'est une merde, mon pauvre ami. En fait, c'est pas une merde, c'est que en fait, la map, elle est super grande et que faudrait la rapprocher le maximum. Mais en fait, on peut pas le faire. En fait, c'est pas possible. Tu verras. Et puis ton JBC, en fait, non, ton JCB. Ton JBC, hein? Non, c'est un JCB. Déjà. Putain, non, c'est pas pareil. Dis pas des conneries, après, j'en dis. C'est comme tout à l'heure, jeune agriculteur, il me fait, ouais, tu connais Drangreville, un truc comme ça. Je lui fais, bah non, ouais. Bah moi, je croyais qu'il me parlait d'un village par vers chez lui, là-haut. Bah oui, c'est une remorque, ouais. Je lui fais, excuse, moi, je connais les villages, je connais les villages du. Bande d'enfoirés, va rigoler, j'y peux rien, moi, j'y connais rien. Hein? Mais non, mais je t'explique. Moi, j'ai fait, bah, bah, moi, Drangueville, je pensais que c'était. Hein, je croyais que c'était un village par chez lui, là-haut, tu sais, enfin. Voilà. Je lui fais, non, je connais pas, je connais un peu plus dans le sud, tu sais. Côté Marseille, enfin, voilà. Il fait, mais, alors, tu vois, il répondait pas, je lui dis, putain, je sais pas, tu sais, moi, je connais pas trop, quoi. Il me fait, mais non, mais tu sais pas, c'est une remorque. Et il rigolait, c'était le tard. Il fait, mais moi, faites-moi pas des belles. Je connais pas, moi je connais pas du tout hein, les trucs comme ça. Faites marrer, vous. J'essaie de m'arranger avec des trucs que je connais pas, vous avez la vie facile. Imaginez, hein, j'aurais pu vous prendre des remorques, enfin des charrues avec trois socles et faire les champs. Hein. Ah là 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 là. Je vous arrange le truc, vous travaillez, vous avez droit à des ouvriers et tout. Hein. Ah non, mais c'est bien moqué. Hein. Ah moi tu me diras, moi. Bah, faut connaître, hein, quand tu sais pas, c'est pas possible. Hein. Bon, là, je suis à première des loulous, j'ai fait des. Je coupe à travers. Ça va loulou? On est après faire un damné avec ton truc là. Non, je m'amusais. Hein, voilà.
cacahuètes, ça m'a envoyé quelque chose là. Oh, rien n'envoyait, pas de message. Moi j'ai une question. À quoi ça lui sert si c'est un tracteur si on n'a pas de champ? Oui, mais on a rien. Tu comprends bien que c'est compliqué. Rigole. Non, j'ai acheté une remorque, un transport de carburant parce que le Fiat était à plat, enfin était à plat. Il n'y avait plus rien dedans, mais bon, j'ai envie de te dire, tracteur vert on n'utilise pas, j'utilise que le Fiat, donc un pour le moment. Hein. Voilà. Mais il est vrai que je t'ai dit, il va falloir que. Pour ça, je te dis, il faudra regarder la série ce qu'il faut. Si on peut pas y couper des bois, tu sais, les faire tomber. Parce que je sais trop des planches et compagnie. Enfin, à faire des planches, faut voir après. Tracteur, comment ça s'appelle la broyeuse à souche là. Peut-être pas de câble si tu le coupes devant. Après, ouais, après, si tu as une forêt, on prendra plus de temps. Pardon. Moi, ça peut plaisir en fait. On finira tout à l'heure les trois qu'on a oubliés. Hein. Sinon, c'est ceux qui vont nous manquer pour remplacer l'eau. Par contre, j'essaierai pour te dire, tu sais, les silos qu'on a, le silo ferroviaire, là, pour te dire si c'est un. Si quand on baigne dedans, c'est pris en compte dans les. Pour nous. Voilà. Tout dépend combien tu payes, Dim. Ah. Là, il essaie de faire du truc, le père Dim. Hein. Ah là là. Tout dépend combien tu vas payer, mec. Hein. Tu sais, moi. Négocie facile de beaucoup de choses. Hein. Tu sais bien. Mais après, j'ai envie de te dire, le dernier qui m'a demandé un tracteur pour faire quelque chose, il a eu son tracteur, mais j'ai jamais revu après, donc c'est chiant. Lol. T'inquiète, en plus tu fais le. C'est mon anniversaire. Happy birthday les gens. Hey, les gens de YouTube, c'est un anniversaire à. On va lui faire une cagnotte, c'est quoi l'outil là, je sais pas quoi. Lol, bah oui, lol. Toi je te connais trop, c'est pour ça. Tu m'as jamais rien demandé, pire. Si tu me demandes, mais. Au bout d'un moment, quoi. Pour ça. Ouais. Donc je te rappelle qu'on en a fait des maps ensemble et tu n'as jamais rien demandé quasi. Si tu as demandé une fois quoi ton tracteur? Rentre-moi 1 million, je te l'offre ton tracteur sur un plateau d'argent. Regarde ma générosité. Ah. Tu me dis Loulou dès que tu veux reprendre. Hein. Ok, d'accord. Bah dis-lui Loulou, on l'a pas vu. Attends. Merde, attends. C'est que je vais pas être. Attends, je vais lui envoyer un message privé parce que. Attends, 2 secondes, Loulou. J'envoie un petit message au perdu. Tu vas l'entendre rigoler. Ah là 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 là, trop exigeant ce mec là, je te jure. Ouais, à plus. À plus. Bonne soirée à toi, Peter. Ouais, bah oui.
Bah voilà, mais oui. Ouais, à plus. Ouais, t'as mis le message ou quoi? En privé. Mais non, mais je sais très bien. Non, mais tu verras, je pense que. Tu sais, une fois, tu m'avais parlé que tu voulais voir des. Enfin, t'es. Mais là, mon pote, tu vas voir les vallons. Oh, mais par contre, les champs à 900 000 balles. Oh, les champs à 900 000 euros, pépère. Hein. Ça pique le nez. Hein? T'es vite fait quoi? Ouais, on va faire, mais là commence. Hey, on a attaqué pas hier, avant-hier. J'ai envie de te dire qu'on a investi dans deux remorques, une BBS, un tracteur, enfin des petits tracteurs, hein, mais on a commencé juste avec 1 million. Et j'ai acheté le garage, tu sais, le dépôt là, parce que tu sais, des mecs fait, ouais, tu prends cette possibilité-là, tu sais, dans la création de ferme, et normalement, comment ça s'appelle? Tu as des véhicules et des champs. Bah quoi que j'essaie, j'avais pas de véhicule. La seule possibilité que j'ai eue, bah j'ai pris celle qui me rapportait le plus, hein, celle où tu commences avec rien, enfin, et avec 1 200 000 euros. Autrement, tu commençais à rien, avec rien, mais avec 100 000 euros, c'est tout. Tu vois ce que je veux dire? C'est bon, quoi. T'es fou, toi? Hein? Bah ouais. Comme j'ai dit, nous, on veut jouer à plusieurs. Bah déjà, 1 200 000 euros, il va falloir qu'on se regarde la pastille, quoi. Et bah tu connais, hein, vu que mon truc c'est quand même pas trop. Bah même toi t'es pareil, tu pas non plus, tu rentres dans le tas quoi comme d'hab. Ouais. Mais tu verras, Dim, tu vas kiffer. Il y a des trucs que je te dis pas, je vais pas spoiler parce que. Mais t'as des trucs pour accrocher derrière le pick-up qui vont te faire planer, mec. Voilà. C'est. T'inquiète. Ouais, en plus c'est le fait qu'il vient nous emmerder. Non, non, il bouge pas, hein, je te jure. Mais tu verras, après, tu verras, c'est comme la Saxonia, il y a des radars partout. Je me suis fait. Oh, ça casse les pieds, ça. Ah, et puis moi, les radars, tu sais bien. Hein. Il y a un radar, de toute manière, hein, c'est pour ma gueule. Hein. Et je te promets que les radars, il y en a 2-3, je les ai fait à quand tu passes à 2 km/h, tu fais, ah putain, il prend 700 balles. C'est rien. Mais quand tu passes à 30 et quelques kilomètres heure en camion, quand tu vois le résultat qui se tire, pédo, t'as envie. Oh, t'as envie. Oh là, tu vois rouge le bordel. Hein. Ah ouais, mais c'est pas. Ah non, mais c'est pas humain le truc. Mais bon, on s'en fout, une fois qu'on va commencer à rentrer le. Comment ça s'appelle? À rentrer du bail, ça va être bien, quoi. Non, mais t'inquiète, hein. C'est pour ça que moi je t'explique, en fait, comme on avait fait passer un temps, hein, bah là on fait que des missions, parce que bah, y a que ça à faire pour faire du pécule, quoi. Là c'est vrai qu'on a investi un peu pour avoir 2-3 remorques à nous, parce que faire des va-et-vient, bah, ça casse les pieds. Donc on a mis les Wilson, on a mis les remorques Wilson, on a mis une BSM, la 70 000 litres, on a mis, qu'est-ce qu'on a mis? Deux plateaux autoload. Tu sais, le connard qui sait pas se servir d'un plateau autonome mais qui se prend pour un fermier, quoi. Ouais. Tu rigoles ou quoi? T'es un enfoiré. T'es un enfoiré. Oh, putain. Non, non, mais bon. Non, et puis, bah, ça me fait chier parce que l'autre map, j'ai bien aimé, mais je peux pas. Je peux plus. Ça m'a. Ah ouais? Ouais, mais toi, t'es pareil que mon pote Flavien, NC4, ils vont quand même te tirer la fime, non, NC4? Ah ouais? Ah putain. Oh punaise, pardon. Attends, mais t'es chez qui comme opérateur, peut-être? Mais normalement, eux. Ouais. Normal, il y a un problème. Normalement, tout le monde devrait l'avoir. Bon. Ouais.
Ah putain, quelle merde, on est gagné. D'accord. Mais c'est vraiment pas le délire, quoi. Ah mais moi c'est comme moi j'ai eu bonheur la fibre. Les voisins, il y en a qui l'ont depuis pas bien longtemps, avant le confinement, quoi, juste. Hein. Moi ça fait quand même déjà un moment que je me la traîne. Hein. Ah bah attends. Ouais. Tac. Hein? Ouais, t'as besoin un peu de place aussi pour toi, quoi. Enfin, c'est pas ça, mais bon, ouais. Bah oui. Bah oui. Sérieux? Oh merde. Oh putain. Ah bah. Je croyais qu'ils étaient gentils avec toi, les... Hein? Ouais, bah oui. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Ouais, voilà, c'est clair, ouais. Ça fait la merde, quoi, l'affaire, hein. Bah tiens. Ouais, tiens. Ouais. Tiens. Mais bon, en espérant demain, enfin comme je dis, demain sera mieux, quoi. Enfin, faut espérer, quoi. Je rien même, hein. Mais bon, en général, moi je vais t'expliquer, hein, bah, en ce moment, c'est comme je faisais avec toi, tu te rappelles quand on jouait au départ. Donc je suis tout seul, hop, je fais toutes les missions, tu sais, traitement des sols, là, les bordels, là. Et quand je garde toutes les missions, genre moissonneuse, batteuse et compagnie, enfin, hein, ouais, je les garde pour plusieurs, comme ça, moi, c'est comme ça, tout le monde peut en profiter, enfin. Après, voilà, quoi. Ah ouais? Non, mais si, pépère, hein, moi, j'ai envie de te dire... Tu sais, moi, si je me remets au boulot, vous n'allez pas me voir souvent non plus, parce que, tu sais, c'est ce que j'avais dit, c'est ce que je dis à Loulou. Moi, le problème, c'est que j'ai un quota d'heures à fournir bientôt pour tu connais qui. Et si j'ai pas ce quota d'heures, je pense que ça va t'en faire le caca très fortement, quoi. Mais bon, voilà. Et moi, je peux pas compter. Hein? Ouais. Ah ouais, bah j'ai bien compris. Ouais. Non mais t'as compris ce que je... Enfin. Ah non, si t'as pas de... Si t'as pas de co... Oh putain. Non mais t'as compris mon délire à moi, donc c'est vrai que... Bah ouais. Parce que moi, il va falloir que je rassemble des heures, hein, il va falloir que je trouve la solution, là, parce que sinon, ça va... Comment te dire, ça va piquer le nez dans pas longtemps, hein. Hein? Non, du tout. Hein, on s'est compris. Hein, ouais, t'as compris. Ouais. Bah oui. Mais bon. Eh, y a plus malheureux. Y a plus heureux, mais y a plus malheureux. Hein, ouais. Ouais. Mais moi non plus. Mais bon, ça va être galère. Mais bon, après, voilà quoi. Ça va être. Hein? Ouais, Pierre. Pour ça. D'accord. Ouais. Ben non, ils peuvent pas. Enfin, d'ici la semaine prochaine, et encore, moi j'ai un doute, hein, honnêtement. Moi, à mon avis, ça partir. Ça va. Ah non, moi je te dis, on va être déconfinés, ils vont confiner parce qu'ils vont quand même se. Ils vont voir qu'ils ont fait une sacrée boulette, mais bon après, je veux pas vendre la peau de la bête hein, non plus, hein, comme je dis, voilà. Trop rapide ce qu'ils veulent faire, trop rapide. Ah ouais, bah ouais, voilà.
Non, c'est pour ça qu'on en discutait tout à l'heure avec Piska, et tu sais, Piska, j'aime bien parce que c'est des exercices très très intéressants, quoi. Enfin, moi j'aime bien. C'est vrai qu'il y a un point de vue qui est très intéressant, mais bon, il ne vit pas non plus, c'est pareil, comme je dis, il ne vit pas en France, hein. C'est un petit Suisse, donc. Mais ils ont une vision qui m'intéresse beaucoup, tu sais. Par contre, ouais, tu verras aussi les canons, le Tatra, là, le premier canon de base avec les deux Wilson, là. Ah, quand tu freines, c'est quoi? Quand tu freines. Les canons, t'as l'impression qu'il est inexistant. Oh, comment ils font. Mais ouais, mais tu les connais, les Wilson, toi, t'as déjà. Hein? Ouais, mais tu connais la. Et tu connais la capacité des Wilson. Ouais, bah oui. Bah voilà quoi. Bah imagine, l'autre jour je freinais, ça voulait pas s'arrêter, mais tu sais, je te dis, dans les terrains qu'on a là, quand tu remplis un tracteur, quand tu mets une remorque derrière un tracteur et que la remorque est trop lourde, c'est quoi, le tracteur il patine. Mais quand il patine quoi. C'est ça qui me fait marrer, tu vois. Ça faisait longtemps que je voulais avoir de l'animation, enfin un truc. Qui galère quoi. Dans les côtes, t'as 3 km/h, demande à Loulou. Hein. Loulou, il descend, il marche à côté, il va plus vite. Hein. Ouais, c'est ça. Non, et puis j'ai enlevé le mode speed, tu verras. J'ai enlevé. Enfin, toi, on peut le remettre quand on veut, mais je l'ai enlevé parce que. Tu sais, il m'a appris à manipuler le doigt avec le treuil là. Ben, ça va bien, ce bordel, quand même. Hein. Hein? Bah ouais. Ouais, voilà. Mais bon. Bah, il n'y a pas de problème. N'oublie hein. Pas, une fois qu'elle est téléchargée, gros, tu les propriétés, tu déverrouilles et tout. Ouais. Ouais, mais ça se trouve, si tu as été coupé pendant que ça téléchargeait, tu sais, parce que toi, t'as pas la connexion. Ouais, voilà, c'est compris. Après, comme je dis, moi, j'en veux à personne, hein, voilà. Mais si ça coupait pendant que tu étais après téléchargé, si le dossier fait pas le nombre de gigabits prévu, tu vois, bah après, ça. Ouais, c'est mort, quoi. Mais en ce moment, comme je dis à moi, Démon, on a vu le nombre de mises à jour qu'il y a sur Steam, sur ATS, sur. Touche pas, je touche pas. Ah, c'est une merde, hein. Mais ouais, mais. Ouais, non mais je t'explique, c'est normal qu'il y ait des mises à jour. Internet est passé quasiment à 100% d'exploitation. C'est-à-dire que tout le monde est sur le net, quasi, bah, ils ont découvert quand même qu'il y avait quand même des trucs à mettre à jour, quoi. Ah bah oui, c'est normal. Là, c'est indigne, ça m'énerve, j'ai pas réussi encore à mettre mon éolienne pour payer les frais de mécanique. Ah oui. Si tu savais, bah je te dis, je commençais à 1,2 million, on est descendu, on était à 500, à combien, 500 et quelques mille hier, non? On est remonté à 700. Bonjour! Attends. Ah là là. Ah, comment tu vas? Ah, on t'entend pas, Pépère. Hein. Faut connecter le micro. Je reviens. Oh, n'empêche que quand t'as vu le coucher de soleil sur la gauche, enfin non, c'est même pas le coucher, c'est le lever du soleil sur la gauche là-bas. C'est magnifique, hein.
sur le plan d'eau là. À gauche. Salut. Mais non, mais Amon, tu vas couper le sifflet ou quoi? Non, mais normalement il parle. Il parlait hier, il avait dit. Ouais, mais parce qu'il faut qu'il active le micro en fait. De quoi? Non, 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 pas encore. Pas assez de sous encore, monsieur Loulou. 1,2 million, mais t'inquiète, on l'aura, hein. Ah bah tiens, fais-toi pas de soucis, mais c'est comme, comme je dis à Dim, là c'est la première map où on commence avec bah, Dim, hein, t'as compris, hein, avec la bip et le couteau. Non, honnêtement, c'est pour ça que j'aimerais bien, j'aimerais tellement bien qu'il n'y ait pas de bug ou de merde comme ça, là. Voilà. Parce que même quand on regarde la Saxonia, autant qu'elle est belle, mais c'est putain de bug qui est, hein. Ah. Oui, c'est pour ça que je te disais, oui, c'est pour ça que je te disais que hier elle n'avait pas. Ouais, voilà. Eh ben voilà. Bonjour. Non, c'est, il est derrière, il y a du monde derrière, mais on l'entend. Si. Eh, mais parce qu'il faut lui monter le son, pépère. Attends. Allez, je vais remonter son volume. Non. Ah oui, bah voilà, au moins tu peux dire bonjour maintenant. Bonjour. Mais c'est pas grave, ça arrive. Oh non, mais dingue, hein, c'est dingue ces jeunes alors tout de suite comme ça là. Oh là 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 là. Ouais, et c'est quand tu veux, c'est quand tu veux aussi, tu tapes la couille, tu viens jouer avec nous. Moi je vais t'expliquer un truc, quand tu me dis si tu veux, moi tu viens quand tu veux, tu sais, hein, enfin, ouais. Allez, hein. Moi je suis open bar là, vous pouvez y aller, hein, c'est 100 mègres de partout, donc vous pouvez y aller, hein. Gabu, une bonne soirée à toi, merci d'être passé, bonne soirée et attention. Sans problème. Monsieur Gabu, une bonne nuit à toi. D'accord. Normalement c'est terminé. Normalement tu l'as dans le téléchargement, non? Normalement tu l'as dans ton fichier téléchargement obligatoirement. Dis-moi.
Il n'y a aucun problème. Axia Alpha, bien bon, avant de pouvoir m'aider, faites un petit bonjour, ça serait bien déjà, voilà. Et puis après, je sais pas, je sais comment pas qui c'est quoi. Bon, par exemple, après on est déjà pas mal à jouer sur cette map, juste on était après monter le comment ça s'appelle, le compteur, voilà. Mais après, je sais pas qui tu es comme gars. Après, il faudrait avoir un Discord, un micro, il faudrait qu'on connaisse. Voilà. Voilà. Y a pas, tu vois. On va rester simple dans les propos. Hein. On a tellement fait passer le mode à plein de gens et qu'on n'a jamais revu. J'ai envie de te dire, si on ne connaît pas, on va pas te donner les modes. Hein. Ça, c'est clair. Voilà. C'est archi clair. Voilà. Tu comprendras que. Voilà, tu vois, on est deux dans le. Là, on est deux. Il y a encore normalement il y a trois personnes qui vont arriver encore. J'ai envie de te dire que ça va, on est peinard. Voilà. C'est clair. Déjà, tu aurais passé par un petit bonjour, ça serait bien passé. Maintenant, quel âge as-tu aussi? Par exemple, tu vois, un truc tout simple. Est-ce que tu as un Discord, truc tout bête, est-ce que tu as un casque, un micro? Alors déjà, pour monter, pour aller sur le Discord, il faut que Monsieur Démon soit là. Mais maintenant, bah comme je te dis, on ne donne plus les modes comme ça. Il va falloir suivre un bon moment avant que tu aies quoi que ce soit qui puisse jouer avec nous. Voilà. Voilà. Vu qu'on s'est fait avoir par pas mal de monde au niveau des modes et compagnie, donc maintenant on est obligé d'être super sérieux. Je suis sur PS4. Ok, bah excuse-moi. Alors, bien bonsoir à toi. Je suis sur PC. Nous sommes sur PC. Donc cette map. Alors en gros je t'explique, nous sommes sur PC, enfin alors j'ai rien contre les PS4 hein, du tout, mais nous sommes sur PC et cette map tu l'auras jamais sur PS4. Voilà, c'est bête. Voilà. Donc on pourra jamais jouer ensemble parce que sur PS4, cette map tu l'auras juste jamais. Oui, il est à jour, ouais. Mais ben normalement, non, normalement, oui, je oui, je crois, oui, j'ai mis à jour. De toute manière, clique la map et regarde ce qui te manque, mais normalement, c'est ça, ouais. Eh ben, vas-y, clique le. Hein. Ah! Re, monsieur jeune agriculteur. Oui, jeune agriculteur, j'ai raconté une anecdote à monsieur Dim-Dim, tu vois. Il s'est moqué de moi aussi. Et voilà, encore quelqu'un qui s'est moqué de moi. Pour la Dangreville, là. Bande d'enfoirés, j'y connais rien. Me gonflez pas avec vos conneries. Non, mais oh. Ouais, bah oui, Dangreville, c'est ce que j'ai dit. D'Angreville. Ouais. Il demande la capacité, voilà, c'est tout. Mais bon. Me cassez pas les pieds, je croyais que c'est un village, moi. Oh. Je suis pas agriculteur, moi, je suis chauffeur. Ouais. Arrête. Joue ta maligne, toi, derrière, hein. Ouais. Il me raconte de ces trucs, vas-y. Bah du coup t'as pas la map Xa Alpha donc comment tu veux faire? Ouais non mais du coup quoi? Bah du coup si tu veux venir parce qu'on est des gens sympas et tu veux voir ce qu'on fait et tu vois limite des renseignements, on peut t'aider de ce côté-là parce qu'on est une bonne grosse équipe de bras cassés mais on connaît toutes les combines, voilà. Après, on pourra jamais jouer ensemble parce que ben, j'ai envie de te dire, tu es sur PS4, je suis sur PC, que les plateformes ne sont pas compatibles. Voilà, t'as vu? Donc, par contre, si tu veux des joueurs PS4, à l'occasion, on repasse. Il y a des gens qui passent et qui jouent justement sur PS4 et sur Farming Simulator. Voilà, je ne peux pas te dire mieux, mon cher ami. Tu vois, je suis déjà sympa, je suis joueur PC, je te dis de repasser une fois de temps en temps
parce qu'il y a des gens, voilà. C'est tout. Attends, je profite avant que ma fille arrive à la maison. T'inquiète, t'inquiète, mais t'inquiète, c'est pas un drame, oh là là. Putain, ça va être plein, je vais me faire baguer, punaise. Pourquoi? GPS parti. Je suis pas là. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Ouais. Non, si. Allez, mon petit loulou. Tu vois que je t'ai dit qu'on aurait fini le chant avant qu'ils arrivent. Bah, Global Company, il est dans le mode hub, Pépère. Bah, je sais pas, Démon l'a mis à jour quand hier. Hop, 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 le Global Company, il est dans le pack, il est dans le pack de ta map. Pas de ta map, dans le pack de tes mods. Et t'as verrouillé tu les as déverrouillés les packs mods? Bah, normalement ça passe, hein. Il l'a fait hier, monsieur Démon. Oh. Bah, comment, pourquoi, comment il s'appelle Je vois pas de qui tu parles, monsieur Démon. C'est qui l'ancêtre? Je vois pas du tout. Oh là là. Monsieur Démon, il a fait exactement pour toi comme il a fait à son gamin. Donc, sûrement du JP, l'ancêtre. Le pachyderme, moi. Oh putain. Bah oui normalement. Non, si ça te marque qu'il te manquait un truc, ouais, faut le mettre. Hein. Ça fait quoi? Eh ben. Ouais. Mais non, non. Je peux pas te le dire en live, mais voilà. Ouais, c'est ça, le deuxième. Ouais, ouais. Non, deux os. Bah oui. Mais pas, je suis en live, mais... Il doit avoir soif. Hein. Devine le problème de mon associé. Il n'arrive pas à lire la marque de la machine que tu m'as dit tout à l'heure. Non, vas-y, dis-moi. Dis-moi, June. Et merci. Ah, vas-y, dis-moi le problème. Allez, vas-y, fais-moi rigoler. À mon avis, je pense que je vais rire. Bah, maintenant que vous êtes tous moqués de moi, bande d'enfoirés, je vais pouvoir me moquer de vous un peu, non? Ou quoi? Ah là 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 là, allez vas-y dis. What? Qu'est-ce que tu as? Bon, on a fait bouffer les petits bouts. Ah merde. Ah putain, bah quand même. Ils ont la dalle les rats par chez toi mec hein. Oh bordel. Bonne nuit à toi monsieur Démon, sans problème. Bonne nuit à toi, à très bientôt. Bon allez. Normalement. Bah normalement c'est ça.
Tu l'as dans ton pack, non, maman? Tu l'as pas dans le pack, si, tu l'as dans le pack. Ouais. Ah merde. Ah ouais, 3000 euros. Ah bah ça va. Putain, mais les... oh, les rats, ils ont des dents affûtées par chez vous, pépère. Hein. Nom de chien, oh. Et encore, il n'y en a pas beaucoup, hein, honnêtement. Hop là. Ah, ah bah tiens, c'est qui? C'est toi ça Ah non, non, c'est le petit ça. C'est le petit démon ça. Il est déverrouillé, pépère, ou quoi? T'éteins ton jeu, tu reviens, tu réessayes. Parce que non, non, enfin, je sais pas, parce que... Ah ouais. Même Loulou, il a... Hein? Même Loulou, il est arrivé, donc... Dis-lui qu'il est mauvais, il va te partir après, mais c'est toi, hein, il est tout sauf tranquille. Je sers un Ricard pour qui? Nature pour moi. Nature pour moi, sans eau. Et y a 10 000, il en veut un triple. Hein. Ah non, non, mais moi, c'est pas moi, hein, c'est la map. Hein, moi, j'ai rien mis de moi. Loulou! Ouais. Sauf dans le tracteur, pépère. Allez, viens. Mais non, mais non. Ah! Il est arrivé avant qu'on finisse le champ. T'inquiète. Ah, il était ou pas? Il était déverrouillé ou pas? Maintenant. D'accord. Ouais, t'en fous, tu les laisses. Attends, lui, il fait le tapis de course, là. Bien sûr qu'on arrive. Ouais, il y a le petit démon, t'as vu? Ouais, il y a le petit démon, bah oui, t'es fils à démon, c'est le petit démon, hein, mais... excuse-moi. Hein. Ouais. Ah, tu t'es remplacé, toi? Ah, ouais. De quoi? D'accord. Ouais, on me verra demain. Donc, pour ceux qui vont venir là, hein, pour ceux qui vont venir là, on n'a pas beaucoup de matériel parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent pour le moment. Voilà. Mais petit à petit, on aura tout ce qu'il faut. Voilà. Et voilà. On est d'accord. On est d'accord. On débauche, hein, on est. Il n'y a rien à faire pendant... Attends, bouge pas. On va arriver au market et vous allez vous choisir une mission avec Loulou. Et voilà quoi. T'as vu? Attends. Ah oui. Attends. De quoi? Ouais. D'accord. Attends. On livre ça, je prends la mission. On renvoie tout à la ferme et voilà. Et Théo va voir, on a un Fiat, on a un Fendt, on a deux remorques. Ouais. Oh bah, oui. Ouais. Non, t'en as. Non, tu verras. Après, c'est les capables. Mais toi, tu les as déjà, les bottes, donc tu sais comment on joue. Pas un problème. Au volant, non, je l'ai le volant en gros. J'ai un agriculteur, mais je joue pas au volant, ça, je joue au clavier. Voilà.
Mais il est à côté du volant, regarde en fait, là je suis au volant maintenant, regarde. Là je suis au volant, voilà. Tu vois, là je suis au volant. Voilà, attends. Tu le vois parce que t'as la vision qui se lève, en fait, t'as la vue qui change, voilà. Voilà, il est à côté du volant en fait. En général, c'est pas moi qui... Hop, 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 hop. Allez, vas-y. Punaise de punaise. Ah putain, ça y est, ça va commencer. Oh, je suis lag, ouais, c'est un lag, ouais. Non, c'est pas un lag, j'ai conduit. C'est parce que j'ai pris le virage un peu trop fort et voilà quoi. Ah non, non, mais moi je le dis, hein. Je suis mauvais, je suis mauvais. Enfin, voilà, il n'y a pas de problème. Moi, je suis pas bon du tout. Mais bon, j'ai envie de te dire que dans la remorque là, derrière, toi, tu regardes bien combien il y a 76 millilitres. T'as vu la gueule du tracteur, mon ami? Hein, t'as 76 tonnes au derche. Donc, on est d'accord. Tu comprends pourquoi le tracteur est ici dans... Et puis, il n'y a même pas de masse. Il n'y a même pas de masse devant. Donc, j'ai envie de te dire, tu te demandes déjà comment il fait pour rouler. Hein. T'as quasiment la centaine de tonnes qui... Il tracte une centaine de tonnes, quoi. Le truc. Ouais, je sais, on est un peu pas, on n'est pas fini, hein. On tracte des trucs de brelo, mais encore, t'inquiète, c'est pas ça le pire. Tu vas voir arriver des trucs, tu vas te dire, mais non. Bah si. Voilà. Mais bon, on va faire, t'inquiète. T'inquiète, on va faire. Mais quand je te dis qu'on va faire, on va vraiment faire. Ah ouais, il y a des barbares, hein, par ici, je te le dis, hein. Il y a des fous furieux, hein. Moi, en fait, je suis le plus sage de tous. De quoi? Je suis le plus sage de tous. Je tousse. Quoi? Mais c'est vrai. Même dans la vie, en regardant le camion, toujours très sérieux. Bah, je sais pas, hein, je comprends. Hein, en vrai? En vrai, ouais, toujours très sérieux. Après, quand je te... Si, même je suis en vrai dans le jeu partout, je suis super sérieux. Allez, on est bien ou on n'est pas bien? Revenu de récolte. On l'a fini ce. Attends, pourquoi? Attends. Il y a un problème, Loulou, c'est quoi? Pourquoi il manque quoi là? De quoi? Elle est pas finie ta mission, Loulou? Bah non, elle est pas finie. Attends, il manque un truc. Rapporte le tracteur, Loulou, s'il te plaît. Ah ouais? Mais c'est quoi? Pourquoi il manque... il manque... Ouais. Et t'as arrêté, t'as... Bonne nuit, jeune agriculteur, bonne nuit. C'est bizarre ça. Ouais, tu verras bien, mec. C'est pas un problème. Et comment ça se fait qu'il manque le... On a... Non, ouais. Mais nous, on n'a pas fini là. On n'a pas fini. Mais il y a un autre truc dans la remorque, Loulou? Bah écoute, y a rien là, hein? C'est quoi ce bordel là? Un quoi? Bah, c'est envie de les deux. C'est bizarre, mais honnêtement, c'est bizarre parce que. Bah, regarde si le petit démon il est arrivé et que. Et que. Enfin, que Loulou aussi, et que. Ouais, c'est bizarre. Déjà, il faudra voir demain, t'es trop posé, pépère. Ah. Vas-y. Ah ouais. Vas-y, sors du tracteur, Loulou. On va voir. Ah, voilà. Tac. Ok. Attends. Ah mais t'as raccroché, ouais, ok.
Attends. La remorque. Ah, mais non, ouais. Attends. Non. Ah non. N. Pourquoi il en manque? Je comprends pas là. Hein? Une gare portuaire. Putain, mais non, mais. Un bug? Bah, peut-être un bug. Non, c'est pas bon. Attends, bouge pas. Je retourne à la. Attends, je. Là, il n'y en a plus, on est d'accord? Là, il n'y en a plus. On va à la machine. Peut-être que dans la machine, encore, hein, je sais pas. Hein. C'est ça. Y a pas de grain là. Ouais, je suis dans la machine là. Ouais. Non, parce qu'en gros, je vais t'expliquer un truc. Le problème, c'est que on peut pas finir la mission. Eh si! Attends. Ah, maintenant, c'est pas bon là maintenant? Oh putain, c'est quoi ce bordel là? Attends. Qu'est-ce qu'on aurait oublié? Attends, même. Et pourtant, il n'y a plus rien sur le champ. Qu'est-ce qu'il fait, ce truc là? Attends, on va faire peut-être le dernier, hein? Oh non, mais c'est fou ça. C'est fou si c'est. Ah ouais. Ok, on est d'accord. Il parle, ça m'a même pas fait un. De quoi? Non, mais il n'y a rien en fait. C'est ça le problème, c'est que le terrain il est meulé dans tous les sens, quoi. Attends. J'ai oublié deux trois, j'ai rien oublié du tout, pépère. Oh, mais il n'y a rien. J'ai rien oublié, mais il n'y a rien. Pour ça, je vais monter en haut du champ pour voir, mais honnêtement, c'est chelou cette affaire-là. Ça me casserait les pieds d'annuler la mission, honnêtement. Hein. Attends, hop là, fais voir le truc. Ah non, c'est mort, y a rien là. Y a vraiment. Ah non, il n'y a plus rien. Hein. Y a rien à poncer, les poncer le champ. Ah, y a rien. C'est mort. Hein. Attends. Qu'est-ce que c'est ce bordel là? Essayez quoi? Ouais, et quand le champ est tout violet, ça veut dire quoi, pépère? T'as ramassé quoi? Le machin, il est tout violet, il est tout récolté, donc normalement, quand. Je sais pas, hein. Bon, bah, je reviens avec le tracteur alors, ou quoi? C'est chelou, t'as eu ton affaire, hein. Ça m'intrigue ce bordel. Mais il n'y a plus rien dedans. T'as vu des trucs toi dedans? C'est un truc de merde. Ça me déglingue quoi. Bon ben je reviens alors. Mais 84% c'est énorme hein, quand même. Hein. Non, 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 mais. Il me manque 80, j'en suis à 84%. J'ai livré quasiment 100. J'ai livré 100 tonnes de grains. Et là, j'ai fait que 84% de la mission. Tu vois ce que je veux te dire? Il y a un truc qui. Non, non, il y a un truc. Ouais. Bah non, tu viens quand tu veux. Tu peux monter avec tout le monde en véhicule. C'est-à-dire, tu peux aussi bien monter avec ton oncle qu'avec moi. Là, autrement, tu peux même conduire un tracteur, pépère. Là. T'appuies sur avec Shift là où t'as à côté de la touche A, t'as les deux flèches. Tu cliques, eh ben, ah, mais non, mais alors t'as
Attends, si, bien sûr qu'il est dans la ferme. Attends, bouge pas. J'arrive. Clique. Clique sur le bouton côté du A. Je vais voir parce que je vais le voir apparaître. Voilà, stop. Attends-moi 2 secondes. Tu fais ça. Allez, vas-y. Attends, non. Ah, mais non. Voilà, ok. On est d'accord? Voilà. En fait, si tu peux cliquer, tu peux monter en doublon après. Mais bon, ça sert à rien. On va faire une autre mission. Excellent. Ah là là. Ouais, attends. Bonne nuit, monsieur jeune agriculteur, profite et. Ouais, profite bien. Attends, bouge pas. Non, mais attends, à part que j'ai pris un virage un peu serré là, je comprends pas honnêtement. C'est cassé bien le truc là. C'est quoi ce délire? Mais moi? Non, non, non. Non, en fait, bah, t'as trouvé d'autres trucs, loulou, quoi. C'est pour ça, t'en as combien dans ta remorque? Sérieux? C'est pour ça que je te dis qu'il y a un problème là. Il y a un truc qui est louche là, dans l'affaire là. Parce que c'est un bug, ouais, mais si on perd la mission, on perd 9000 boules, hein. J'ai envie de te dire, ça va me casser. Ça a commencé à me briser les cacahuètes de bonne heure là. Ouais, les cacahuètes, ouais, salopard, ouais. Enfoiré, là. Ah putain, les gars. Hein? Attends, c'était là, non, je pense. Attends, c'est où? 103. T'inquiète. 103 et 104, il est plus loin. On est d'accord. Voilà. Fatigue le truc là. Pourtant, après, c'est un bord de map, hein, le champ. Donc, à première vue, peut-être si ça se trouve, les champs en bord de map, moi, je suis pas très bien. Je suis pas trop confiant en général pour ces daubes-là, hein, mais on n'est pas là, c'est celui d'après. Ok. Après, c'est Théo qui va conduire. Je vais pas m'emmerder la vie, je te dis, c'est moi qui vais me faire piloter, mon gars. Hein? C'est toi le chauffeur, bien sûr. Pourquoi toi? Oh, moi, j'ai pas peur, hein. Le tout, faut rien me mettre dans l'eau. En gros, je vais t'expliquer un truc. Que tu cabanes un camion, j'en ai un à taper. Qu'il soit vide, encore moins. Mais pas qu'il y ait des grains dedans, parce qu'après, c'est chiant. Mais autrement, voilà quoi. Et moi, ça m'empêchera rien de ma vie, hein. Il est arrivé pépère ou pas, là? Attends, on va faire le tour du champ, on va voir ce qu'il y a. Normalement, il est vide. Le champ, il n'y a rien. Ouais, c'est un bug, ouais. Ouais. Il sait pas faire. Bah non, hein, regarde le terrain, tu peux pas faire mieux que ça. Hein. Il reste même pas une pousse. Hein. Allez, tu sais quoi, ça m'a cassé les pieds. Allez, hop. Hop là, tu sais quoi? Retour. Oh putain, c'est quoi ce bordel? C'est quoi, gare populaire annulée, on est d'accord. C'était-vous vraiment annulé? Oui, on annule tout. Putain, regarde, moins 63 000, mec, on a pris. Hein. T'as vu? Combien on prend? On prend moins 63 000 balles. Allez. T'as vu? Moins 63 000, tu l'as vu le bordel? Ah, ça pique! Bon, loulou, vas-y, fais-toi un compte. C'est ton. T'inquiète, j'ai rien perdu du tout, t'inquiète pas. Va. Hop là, alors regarde. Tu ne cherches pas. D'accord. Ah bon?
Mais non, mais c'est pas le global. Va dans les modes et regarde le Global Company qu'il y a dans les modes. Mode. T'as tout ton jeu, tu cliques mode et tu regardes s'il n'y a pas un Global Company qui clignote là-dedans. Oh bon? C'est chaud, hein. Enfin. Allez, prends-en un autre, pépère. Hein? Le quoi? Le 36, bouge pas, 36, 36, 36, toc, toc, 20, 30, ouais, 36, 38, attends. 36, il est à côté du 95, à côté du 91, en haut à droite de ta map, vers la route, vers le village là-haut. Il est tout petit. Allez, parti. Tu verras. Hein? Voilà, hop là. Donc, attends. Mais prends-le, toi. Vas-y, loulou. Prends. Voilà. Attends, hop. Dans quoi? Non. Non, ça va. Donc en gros, voilà. Attends, il n'y a que ça. Attends. Hop là. Et voilà. Ok. Donc on... Ouais, faut prendre le tracteur vert. Prends le tracteur vert, Théo, au garage. Ouais, on va les prendre les 2 lits, toi. T'inquiète. C'est pas les 2 lits. Attends, j'ai oublié de te faire un truc, j'arrive. J'ai tout taclé au camion, toi. Chef, oui, chef. Attends. Chèvre, oui, chèvre. Salut, Thierry. Bonsoir à toi. Et merci à toi. Salut à toi. Merci. De quoi? Voilà, tiens, démerde-toi. Le petit démon, t'inquiète. Il va venir et si... Voilà, t'inquiète. Le petit démon, attends, le petit démon, on va voir ce qu'on va pouvoir mettre en... Il y aura 2 machines à retracter derrière. Voilà. Donc je vais prendre la moulinette là, tu vois. Hop là. Regarde bien. Je vais prendre celle-là. On est d'accord? Voilà. D'une manière, normalement, t'as pas besoin de 36 plateaux. Normalement, un plateau aurait suffi. Hop là. Qu'est-ce qu'il y a, tu prends? À demain, dis-moi demain. Salut, salut. Hop, pourquoi? Ah, tu vas ou quoi, Loulou? Le petit démon, c'est quoi? Pourquoi il part en tête à queue? Non, tu prends la batteuse. Tiens là, viens. Non, tu prends la machine là. Viens voir. Voilà, celle-là, là. Viens là. Non. Ok. Viens là, viens vers nous. Qu'est-ce que tu fais là-bas? T'es où là-bas? T'es... Faut venir là avec ton tracteur, pépère. Tu vois où je suis? Eh ben alors. C'est qui part en tête à queue? Oui. Déjà, c'est derrière toi, c'est pas là-bas, c'est vers moi. Donc, c'est déjà derrière toi. Oh là 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 là. Ah, c'est jeune, je vous jure. Ah, hop là. Voilà, hop, t'as vu là, le véhicule, il est là.
Non, non, à ta droite, non, à ta gauche, Pépère. À ta gauche, allez, vas-y. Mais non, c'est pas un mur, vas-y. Pas de mur, là, hé, le truc vert, là, devant toi, c'est quoi? Allez, avance, 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 avance. Voilà, prends à droite. Prends à droite, voilà, et tu reprends à droite. Alors, ah là 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 là, il roule pas comme un brelot, ça va faire. Allez, viens là, marche arrière, et mets les phares. Les phares, t'appuies sur F, voilà, allez. C'est pas le bon. Prends celui que je suis là, voilà. Impeccable, allez, petit pépère, on va y aller. Hop là. T'es parti, Loulou? Ah. On passe par les silos, Loulou, et on coupe à travers. Comme on a fait tout à l'heure. Vu que le champ il est juste en dessus. Tu te rappelles ce qu'on a fait tout à l'heure, Loulou? Viens, suis-moi, on va couper à travers. Donc les gars, bah les gars, sur YouTube, désolé, hein, on fait la pampa mais à l'envers. T'es où, t'arrives, Loulou? Allez. Non, attends, tu m'as dit combien? 36, ouais, allez. Vous me dites, les gars? Attends, non, on attend Loulou. Attends que Loulou fasse une marche arrière et puis on y va. Ah, peut-être que je vais mettre les phares. Alors, Loulou, rappelle-toi. Donc, il y a un truc qu'il faut faire gaffe, juste un truc qu'il faut faire gaffe, les gars. Il va y avoir un train qui va passer. On ne sait pas quand, je ne sais pas quand. Ça se trouve, c'est moi qui vais le prendre parce qu'il y en a long à tartiner. On est d'accord? Allez, venez, je vais vous montrer une petite astuce du jeu. Allez. Ça, c'est une petite astuce du jeu, juste pour... Ah oui, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Allez, hop, on y va? Allez. Ouais. Si les gars, ils suivent pas. Ouais, parce que, en fait, faut que tu appuies sur le bouton échappe, faut que tu ailles dans le tracteur, non, dans l'écran, là, dans l'espèce d'écran qui est à côté du tracteur et des touches, là, et que tu mettes la vitesse de retour des roues à 100%. Voilà, autrement, tes roues, elles reviennent pas. T'as vu? T'appuies sur échappe, en fait, là, regarde la photo sur l'écran. Tu viens là, ici, sur cette photo-là. Et ici, c'est marqué vitesse de retour de roue, faut mettre à 100%. Voilà. Ici. Voilà, jeune homme. Et normalement, ça devrait aller un peu mieux. Oui, non, peut-être. Faut pas appuyer comme un barbare, hein, pépère. Ouais, mais c'est quoi, Dim? Je me lève bonne heure demain et je l'enquille de bonne heure, comment ça s'appelle? La map, je la laisserai ouverte comme ça si vous voulez tester. De toute manière, tu as le mot de passe et compagnie, quoi. Voilà. Faites gaffe, les gars, il y a un train qui arrive. Faites gaffe, juste faites gaffe, passez pas maintenant, il y a un train qui arrive. Like. Voilà, hop là. Hop, 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 le train, hop, hop, hop. Ah voilà. Attends, hop, il faut que je me bouge alors. Bougez pas. Allez, hop, on y arrive. Allez, hop, j'avais vu ou quoi? Voilà. Viens, viens, viens. Il n'y a aucun problème, Pépère. Il n'y a pas de problème. Je t'ai dit comme ça, tu sais, regarde, tu vois, la map elle est ouverte. T'as envie de jouer, bah voilà, t'as même pas besoin de demander, quand t'as du temps, tu passes, t'as la connexion, y a pas de problème. Ouais. Attends, je vais m'herbouiller ou pas? J'espère pas. Mais normalement, on va couper, on coupe là, on coupe tout droit et on y arrive. Y'a aucun problème. Regarde, tu vois, ça va tout seul. Le troupeau des fadas, regarde, les fadas, ils sont là. Hein.
Allez, vas-y, vas-y, si ça roule, roule, hein. T'angoisse pas, mec, roule. Si ça roule, tu roules. Non, mais là, il y a un arbre quand même, hein. En fait, on n'avait pas pris par là tout à l'heure. Ouais. Après, tu essaies de trouver un chemin. Hein? Ouais, mais justement, faut pas faire ça, sinon ça coûte trop cher après en réparation. Trouver un chemin. Il n'y a pas de chemin pour couper. Moi, je peux pas couper à travers, sinon ça bloque. Ça bousille tout, ça fait chier, quoi. Là, voilà, il y a un passage, là. Le passage, il est là. Comment? Non, ça me coule et après on est dans la merde. Hop là, hop là. Ce bordel là, ah merde. Putain, ça casse les pieds. Mets un coup de camion. Mets un coup de camion, en gros. Loulou. Merci. Parce que là, ça me casse les pieds. Ça commence à me repousser vers le truc là. Bah non. Attends, bouge pas. Ça s'appelle un fail. Je lis le fail. Non, non, mais t'inquiète. Ça va pas, ça. Attends, bouge pas. Voilà. Voilà. Et voilà. Ouais, prends-moi. Ouais, prends pas la cabine, s'il te plaît. Mets une cacahuète sur le côté, là. Voilà. Ah putain, c'est pas ça. Mais ça fatigue, ce truc-là. Hein.
Ah ouais. Faut vraiment taper dedans. Hein. Ça sera plus dur. C'est quoi, va. Ouais. Allez, vas-y. Vas-y. Allez. Non, mais. Faut voir du jeu. Faut voir. C'est où ça? Ouais, parce que j'ai poussé le camion, enfin la remorque là. Et voilà. Allez, voilà. Merci, Loulou. Voilà, fallait demander. Ouais, parce qu'il a accroché ça, le dernier truc, il a accroché, ça fait chier. Voilà. Et en fait, vu que le Fiat, il a rien dans le bidon, il est plat comme une daube, ben tu te fais chier avec un truc pareil. Voilà. Donc, mais bon, il y en a large, il y en a long à tirer, hein, quand même. Donc, voilà. Allez, on y va. Allez, les gars. Ah, est-ce que 36, c'est pas le truc qui est parqué, là, par hasard? Attends. C'est comme là, non? Ah, maintenant, il est là, 36. Ouais, c'est ça. Il est là, 36. Il est là, le long. C'est le champ qui est en pente, là, le 36, cette terre. Ah, ouais. Attends, je vais me garer là, moi, tu vois. Hop là. Tu me diras si ça gêne, toutes les machines, pépère. C'est ça le 36. Ah, impeccable. Eh ben, impeccable, regarde. Impeccable. Attends, par contre, je vais faire un truc. Attends, je vais décrocher les comment ça s'appelle. Tu veux que je te déballe ton camion, Loulou, quoi? Voilà, hop là. Bah Théo, sans problème, bonne nuit à toi, merci. Et à demain quand tu veux. T'as vu? T'as compris le truc, t'as pas de problème. Hop là, hop là. Hop, on va garer ça. Hop là, on va garer là. Hop là. Ok. Ouais, je vais chercher le truc là. Ah, il va bien plus vite que le mien, celui-là. Hein. Hop, hop, hop. Hop, 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 décor. Attends. Si tu vois disparaître le Fiat, c'est normal. Hein. Je crois que je vais prendre le vert. Hein. Il va trop vite, ce bordel. Ah ouais, mais il va trop vite, ton truc, là. Oh là là. Il va super vite, ce truc-là. Oh. Hop, hop, hop. Mais non, c'est quoi, ce bordel? Il vient de faire un tonneau. Et parti la troisième corde. Oh, il vient de faire un putain de tonneau, ce truc. Oh. C'est un truc de dingue. On va me prendre encore pour un chauffeur. Non, j'essaie de conduire normal, les gars. Je conduis un peu vite, certes, mais normalement, dans la vie actuelle, je ne conduis pas comme ça. Je conduis plus terre. Parce que je suis crédible, au moins. Hein? Parce que je suis crédible, au moins. Hop là! Ouh! Hop, 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 hop. Ah non, mais dans le gazon, c'est une horreur ton truc là. Hein. Oh là là. C'est quoi ce tracteur qui. Le tracteur vert, il tient pas la route, le bordel là. Je t'ai fait un tonneau tout à l'heure là. Oh, putain, mes aïeux, dis. Attends, attends. Bon. Punaise, oh. Donc ce que je vais faire, je vais ramener le Fiat, je vais le remettre au garage et je vais prendre celui-là. Honnêtement, il est pas mal ce. Je vais prendre ton tracteur, Loulou. Non, mais je rigole. Hein. Bah oui. Ah oui, mais t'as compris quoi. Hop là. Ah, par contre, je vais prendre un truc supplémentaire, tu sais quoi? Je vais prendre la masse. Bah non, ça sert à quoi la masse? Elle va pas nous servir à nous, t'es d'accord avec moi? Non, ce qui est bien, c'est que vu qu'on a des grosses, ouais, y a les grosses machines, on est d'accord, voilà. Là, je vais cliquer sur la carte, on est d'accord.
J'ai récupéré le SIAT qui est là. Réinitialiser le SIAT, oui. Voilà, il est là. Et normalement, il est garé de l'autre côté de la boutique. On va aller voir ça. Pardon. Mais si j'ai le hockey, ça craint. Hein. Voilà. Attends. Oh putain, il a les flashs? Attends, c'est quoi? Je croyais qu'il avait des flashs, ce truc. C'est quoi la barre là? Attends, je vais voir un truc quand même. Baisser le ramasseur. Mais non, non, non. Attends. C'est quoi ça? Ah, oh, en plus, on peut l'ouvrir, bordel. Hé, hey, le loup. On peut l'ouvrir. Non. De Dieu, de. Hé, hey, on ouvre les portes et tout. Oh, quatre. Oh, copain. Oh. Ah mais on ouvre les deux. Ah mais non, on ouvre les deux portes. Pardon, excusez-moi. Ah mais non, mais c'est pas humain ce truc là. Je savais pas que ça existait ça. Hop là, regarde. Et là, lui, on ferme. Et là, si tu veux, tu ouvres que le coffre. Ah, voilà. Et en fait, attends, on va faire voir les portes. Ça fait courant d'air. Là, F. Et la rampe en haut, ça s'allume ou pas? Attends. On va faire ça. Non, ok. Allumer les lumières. Oui, c'est un chose à la caméra. Oui. Klaxonner. Allez, on est parti. Alors à mon avis, le truc bleu dessus, c'est un aileron, non? C'est pour éviter que le tracteur décolle, non? Non mais, c'est très stylé, hein. Hop là, allez hop, bah on y retourne à la mine, hein, je te le dis, hein, mon ami. J'arrive! Je pensais que c'était un gyrophare ou une rampe quoi dessus, mais à première vue non. Tu vois, je suis après prendre des mauvaises habitudes à couper à travers champs, après je vais faire que ça quoi. Ça craint. Pourquoi on n'irait pas faire le grand tour? Non mais oh. Oh là 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 là. Non mais. Là quand c'est. Quand on aura une paire de terrain autour là, je veux dire on va prendre la. Comment ça s'appelle la Big M. Quand t'as la Big M, tu mets une botteuse à l'arrière, je te promets, tu fais des bottes mon gars. Comme bon Dieu pour en bénir. Regarde ça, à travers champs. Comme un. C'est magnifique, hein. Franchement, le terrain il est en biais, il est cabossé à souhait. Ouais. Ah ouais. Ah ouais, ah ouais. Hein. Ouais, non, mais c'est magnifique, honnêtement. Ouais. C'est encore un petit champ. Attends, bouge pas, on va le garer le tracteur. Attends. Ah, il a pas voulu le temps. Ah, d'habitude, tu fais un petit truc un peu raide de sa part là. Il n'a pas voulu. Hein, là. Par contre, tu verras, tu auras la vitre à l'arrière, elle est ouverte. Regarde. Tu vas rigoler. Et en fait, il faut ouvrir les deux portes aussi. Regarde. Regarde, j'ai ouvert la vitre à l'arrière. Tu la vois la vitre à l'arrière? Regarde. Et j'ouvre les deux. T'as vu? Hop là. J'ouvre. Hein? Bah oui. Bah oui. Hein? Avec la souris. Avec ta souris, tu cliques sur le clic droite, c'est ou gauche, je sais plus. Attends, c'est clic. Attends, clic droite, c'est pour les pierres, les portes, et clic gauche, c'est les deux. C'est les deux. Ah, mais. Oh putain, mais tu ouvres même devant, regarde.
Tu l'as vu devant? Bah, le pare-brise devant. Regarde le pare-brise devant. Le pare-brise devant, il est ouvert. Là, je referme. Regarde, hop là, et je referme. En fait, tu cliques les deux boutons en même temps et tu déplaces la souris de gauche à droite. Voilà. Voilà, jeune homme. On est reparti. Ah là là, sacrément. Attends, je vais aller voir un truc. Tout à l'heure, je m'étais arrêté à la Syrie, tu vois, pour voir comment c'était gaulé là-bas. Parce que si on attaque la Syrie, faudrait. C'est compliqué, quoi. Attends, marquer l'endroit, rendre visite. Et j'arrive pépère. Non, parce que je veux bien qu'il y ait des portiques de. Portique, mais où c'est qu'on cale le bois? Ici, d'accord. Ok, et après, quand on cale le bois, pourquoi il va où? Parce qu'en fait, si le bois on l'amène par la rue, par la route, on n'est pas obligé de le mettre là, on est d'accord. Donc, en fait, je vais voir. Non, pas ça. Voilà. Normalement, le panneau il est là, planche, copeaux de bois. Ok. Donc tu balances du bois et normalement tu as tout ce qu'il faut ici et ça doit sortir là. Là les planches et là le copeau. On est d'accord. Ok. Ouais, donc en off je ferai le bois. Voilà. Normal quoi. En off. Voilà. Non, mais je veux dire les gars ça va pas. Pourquoi on fait en off le bois hein? Vous avez vu pourquoi? C'est plus prudent. On va te planter un arbre là. Attends, tu vois? Ouais. Et quand il va coucher, il va s'affaler là. Et ça va être nickel. Voilà. Et que normalement, là c'est pour le vent. Et là-bas c'est pour travailler. On est d'accord. Et normalement, c'est marqué là et là. Là, normalement qui vient là et c'est marqué R et normalement quand ça avance. Wally Walou, voilà. J'attends que j'ai fini le gazon et j'irai le fané et compagnie. Voilà. Hop, et pourquoi on peut pas prendre ça? Attends, monter. Oh là là. Alors les gars. Ouhou. Ouhou. Et là, ouhou. Hop là, d'accord. Dis-moi, il y a quoi? Ah ouais, bah oui. C'est terrible la pente, hein, elle est terrible hein, cette pente. Pas terrible. Non, elle est sympa. Avec le. Ah ouais, avec le Fiat. Hein. Mais si, t'inquiète. C'est un vrai petit bolide. Hein. C'est un vrai petit bolide. Non mais oh. Ah non mais. Non, je dis qu'elle est superbe. Ouais, non mais elle est bien. Comme ça fait un bon bout de maths, quoi. Voilà. Après, libre à chacun, mais nous, c'est ce que. C'est ce qu'on cherchait depuis un moment, donc ouais, ça va être un bon merdier cette affaire, hein? Ouais. Moi, je pense qu'on va se régaler. Normalement, on devrait, voilà. Juste pour voir combien il fait au passage le 36, là, par exemple. Tu sais, l'idéal. Il dit un peu bébête. Oh, il fait 278 000 euros, mec. Et t'as tout le parc après. T'as toute la parcelle. Oh, comme elle est géante la parcelle. Oh, ça. Un truc comme ça, mon gars, tu te régales. Quoi.
T'inquiète, en off, je vais l'acheter la série. Je vais même aller faire un peu de voie, je vais la mettre en route. Comme ça fera un peu de planches, de copeaux et voilà quoi. Ça va impeccable. Hop là, X, hop là. On va commencer à passer un petit coup de. Ah, je sais pas si ça va être bon pour passer le coup de. Mais non, il t'as pas fait assez large. Pardon, c'est une blague. C'est vrai en plus. Il traîne, il traîne, il traîne, et puis voilà quoi. Hein? C'est ça? Ouais! Ouais, c'est bizarre que ça te dit, mais ça marche pas. Normalement, ça plutôt pas mal, quoi. C'est pas trop compliqué. Informe, hein. Je suis pas là pour rigoler, hein. On va attaquer les murs là. On va attaquer les murs. Oh, fort. Ouais, il va bien ce tracteur, mais bon, à part le long de la voie de chemin de fer où il fait des acrobaties, on va dire. Non, parce qu'il n'y a pas d'amortisseur, il est trop raide en fait ce truc. Bah oui. Ah, mais autrement, ça va pas mal, hein. Il y a pire. Hein. J'ai connu pire en vrai, hein. Sur un mammouth, hein, c'est la merde. Hein, sur le mammouth, c'est la merde. Hein. Oh là 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 là. Tu vois, ça avec le Fiat, le truc là, ça passe. Tu mets le Fiat derrière la, comment ça s'appelle, la boucle, c'est mort. Hein. Vu la côte, c'est. Hein, c'est mort. Ah ouais, mais c'est clair. Il est malade. Hein, tu cales, comment ça s'appelle? Tu cales ça derrière le Fiat, enfin pardon là. Ah ouais, la botteleuse derrière le Fiat, c'est la botteleuse qui tire le Fiat. Ah bah attends. Une bordel, oh mon pauvre ami. Allez, t'as vu, le jour s'est levé d'un coup, hein. Oh. T'inquiète, vas-y, envoie. Mais non, on prend plus l'heure, c'est clair. Oh, chien. Pareil. Oh putain, oh putain, oh putain, la blague. Oh la blague, oh c'est un mur le truc. Tu l'as vu? Oh là là là. Comment on fait pour passer avec le. Et la botteuse, on fait comment pour la taper là? Oh, attends. Non, il va bien même. Oh, il va bien petit truc là. Hein. Ouais. Attends. Ça lui lève les galets au truc. Ah ouais, quand même, c'est abusé. Hein. C'est quoi, ça lui lève le volet au truc. Ah ouais. Ça lui lève le volet à l'arrière. Il a peur. Ah ouais. Ah la blague. Le truc quand c'est pas. C'est trop en pente, c'est quoi? C'est lui lève le tiroir derrière. Ça le met en biais. En fait, tu peux. Ouais, c'est comme si tu loupais le. Tu sais, tu pouvais pas prendre les andins.
C'est impossible, super. T'inquiète. Ouais, Jérémy. À mon avis, là, on va bien galérer pour la suite. Pour les andins, là, pour la mousselade. Non, pour la botteuse, là. À mon avis, ça va piquer. Ça va être marrant, mais ça risque de piquer. Wow. Waouh, la vache. Chaque fois, il ne veut pas prendre. Quand je remonte et qu'il y a trop d'inclinaison de terrain, le râteau derrière, il ne veut pas faire en fait. Alors, c'est compliqué, pote. Hein. C'est la merde. Mais quand ils ont bien la. Ils l'ont appelé la haute, mais ils savent pourquoi elle est haute, hein, c'était ma femme. Elle avait marqué, tu sais, dans le texte, en même temps que la map, elle a marqué. Hein. Mais j'avais marqué un truc quoi avec comme quoi elle était compliquée, super compliquée. Ah ouais, bah bien sûr. Mais nous on est des bonhommes, on va la faire. Non mais. Ah ouais. On va la démonter cette map. Hein? Super. Super manière. Hein? On peut dire c'est presque parti. Hein? Déjà, je vais acheter la comment ça s'appelle la scierie, je vais balancer deux rondes dans une boîte dedans. Comme ça au moins il y aura de la planche, ce sera déjà fait. Ça sera déjà fait. C'est 200 et quelques mille euros la scierie. Parce que je vais dire. Ah ouais. Comme ça, s'il y a au moins une entreprise qui tourne, c'est déjà bien quoi, tu vois. Une scie, une tronçonneuse, une remorque. Hein. Balance le propre bouge-bois là-bas dedans. T'inquiète, ça va le faire. Voilà. Ça va le faire. On se donne la machine jaune hein, pour commencer par plus. Tu te rappelles comment on faisait sur la map d'avant? On va faire pareil là. Le bois, tu te mets devant, tu coupes. Hop là. Hein? Tu te mets juste devant l'entrée, tu coupes. Bon. Ah. T'en mets 4 comme ça, t'es tranquille, c'est réglé. Premier avec l'eau. En fait, t'arrives avec la machine, tu sais, pour enlever les souches. Ah ouais, c'est réglé quoi. Au passage, faut pas qu'il y ait de train, sinon c'est mort. Ouais, ça va, il y a des trains, mais ça va sur ce map, ils sont quand même pas trop pénibles. Hein. Ici, il suffit de surveiller un petit peu, mais on va dire que ça va. Quoi. T'as pas le temps de finir un truc que tu as. Prends quoi, le botteuse ou l'autre? Oh, c'est des bottes. Ah, c'est toi qui fais les bottes, c'est pas ça. Hein?
Spider-Man, James Bond, s'il vous plaît. Boire un peu d'eau aussi. Sinon. Ah non, là, là. On va finir par croire que... Hein? Bah dis donc, hein. Elle était forte, tôt, hein. Ouf. Ouf. Ah, pas... Ok. Super. Connais très voilà comme une machine Ah, c'est là qu'on va commencer à rigoler, pépère. Hein? Ah là. Ah là. Ah ouais, là. Je comprends, là, avec ta machine, comment tu vas pas faire de malin. Tu comprends qu'ici, avec ta machine, tu vas vraiment, vraiment, vraiment pas faire ton malin. Je sais pas ce que t'en penses, toi, mais moi, je dis que ça va être critique, quand même. Hein? Allez. Allez. Bah alors, non, faudra peut-être prendre dans l'autre sens. Ouais, je fais un tour. Et limite, si tu veux, je vais rendre un peu plus bas les ondes. D'accord. T'inquiète. Ah. Ouais, ça va doucement, mais normalement, ça passe. Hein. Je te fais un mandat tout le long là, c'est bien. Regarde. Ok. Putain, c'est quoi le bordel? Ça, tu es obligé de le mettre en travers et de faire des monticules pour que. T'as pas réussi, Loulou, alors? Ah bah alors? Ah bah oui, je t'ai dit. Je t'ai pas dit? Ah bah alors. Écoute le vieux, il ne dit pas que de la merde. Il en dit beaucoup, mais il dit pas que. Non mais. Ouf, oh. Le bordel que c'est. Oh mes aïeux. Oh mes aïeux. Pourtant, je suis en train de le décaler. Après te décaler pour mettre en plein milieu. Bien. Bah oui. Allez. Ah, parce qu'en fait comme ça tu vas prendre le. Tu vas faire des lignes droites au lieu de faire le tour. Ah, oui.
coup, je vais te les rassembler, tu sais. Comme ça, au lieu d'avoir un andin, enfin, au lieu d'avoir 36 millions d'andins, tu en auras un qui est un peu plus gros. Et alors, ça avancera moins vite. Et tu vas te faire péter deux, trois fois plus de bottes, quoi, tu vois. Après serrer et les andins j'ai réuni comme ça au lieu d'avoir 2-3 andins t'en auras, je vais t'en faire un gros en fait. Truc pour gagner du temps tu sais. Là, si on arrive à... Ah, on va le faire. Voilà. Le problème c'est qu'on va repasser. Parce que ça prend pas tous les andins. Mais là, on va repasser. Je reviendrai. Je passerai un coup d'autoroute et on repassera pas. C'est la même merde, mon ami. Ouais, mais bon. Et nous, on a cherché la merde, on l'a trouvé, c'était facile. On l'a cherché la merde, on l'a cherché, on l'a trouvé. Eh ben, ça c'est un moment, mais c'est ce que je dis, tu vois. Cette map, ce style de map, c'est un moment qu'on avait trouvé. Je pensais qu'on l'avait trouvé dans l'autre, justement, tu vois, parce que c'était là, quoi. Et ben, tu vois. Ouais, lui il faudra vraiment lui caler une masse devant parce que c'est vraiment un fake. Hein. Mon Dieu. Pas mon pauvre loulou. Des gros tapes et tout. Comme tout le monde peut faire. Les tracteurs sont pas utilisés pour venir faire des trucs comme ça, quoi, toi. Ah, t'es fou, toi. C'est plus des tracteurs qu'il faut, c'est des chamois qu'il faut. Le truc, il te manque, hein, il te manque le rocher sans problème. T'es fou, toi.
Mais encore, hein, t'inquiète, hein, il y a encore des trucs qui sont pires que ça, pépère. Hein. Tant mieux, hein, c'est ce qu'on cherchait aussi. Hein. Hein? Ah, bah là, ça, là, maintenant, on la cherche, on l'a trouvé, celle-là. Hein. Putain. Mais bon. J'essaie de faire des plus grands sillons possibles. Ah pardon, pas des sillons, des andins. Comme ça, t'as pas repassé 15 fois, ça, ça. Après, ouais, il y a eu des manques, j'ai fait des manques, mais bon. Là, à un moment, c'est hyper chiant de... Là, je regarde, je suis à pas repassé sur tous les sillons, les... Pardon, les andins. Regarde là, comme ça, t'es pas emmerdé. Oui, mais c'est pas grave. Pas les manques que je vais te faire, ça c'est corrigé en 2-2. Impeccable. Sur ce YouTube, je vous souhaite une belle fin de soirée. Finissez bien et on va continuer de notre côté. À toi, YouTube, d'accord.